Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, pour ce tout nouveau rapport de bataille, j'ai le plaisir de recevoir Zig, qui nous vient avec une magnifique armée Astra Militarum, complètement originale. Dans sa liste, il a décidé de jouer les Lambda Lion, et surtout, une armée composée de 5 Valkyries et d'une masse de piétons de Sion avec des équipements et de l'armement complètement incroyable. Face à lui, je jouerai les Dark Angels et cette fois-ci, j'ai opté pour de la moto, de la Ravenwing, pas mal d'unités, des Outriders, des Space Marines à moto de type classique avec une petite touche d'exotisme grâce à mes Dreadnought Contemptor Relic de la gamme Forge World. Dans cette partie, nous jouerons le scénario numéro 13 du chapter Approved, Intelligence Vitale. Vous retrouvez 6 objectifs sur la table, un dans chaque camp et 4 qui sont sur une diagonale qui traverse tout le milieu de la map. Pour marquer les points de primaire, 5 points si on tient 2 objectifs, 5 points supplémentaires si on en tient 3. Et enfin 5 points si on en tient plus que notre adversaire. L'objectif du scénario consistera à faire une action sur un objectif et à marquer autant de points qu'on en contrôle à la phase de commandement suivante. Mais dans ce rapport de bataille, aucun des deux joueurs n'a pris cet objectif. Je vous propose qu'on se retrouve immédiatement pour la présentation des listes d'armées. Salut les amis, c'est Tourop et aujourd'hui, j'ai le plaisir de ressortir le Codex Space Marines, le supplément de Codex Dark Angel, avec une nouvelle mouture de liste, à savoir de la Ravenwing. Alors, dans cette liste, l'idée est d'aller chercher la deuxième compagnie du Codex, avec 2 Talons Master, donc qui vont être bien stuffés l'un comme l'autre. Le premier qui va avoir son trait de seigneur de guerre du Codex Space Marines, qui va lui permettre de gagner une reroll des charges pour lui-même, un plus 1 à la force et un plus 1 à l'attaque quand il charge. Donc ça en fait un mec de corps à corps et auquel j'additionne la relique Even of the Fallen, c'est-à-dire une épée qui remplace son épée énergétique et qui en fait une belle arme de corps à corps et qui en plus leur rajoute une attaque. Donc ce gars-là, il pourra tartiner allègrement dans la joie et la bonne humeur. Le deuxième talon master de ma liste, lui, capte la relique pour un point de commandement, The Arbiter Gaze, donc il va lui permettre de toujours toucher sur du 2+, même en tirant en état d'alerte, et en plus d'ignorer les covers tout le temps. Donc c'est une très très bonne relique, surtout sur ce châssis qui sature très bien. Ensuite, on va retrouver des choix d'attaque rapide, à savoir 3 packs de moto Space Marines Lambda, avec à chaque fois 3 motos Marines et une moto d'assaut. Ces 3 packs-là deviennent objectifs sécures grâce à la règle de la deuxième compagnie. Et enfin, on va retrouver un pack de motos d'assaut, donc avec full multifuseur, et 2 packs de motos Outrider qui eux aussi vont bénéficier de l'objectif sécure grâce à la deuxième compagnie. Voilà pour le côté Ravenwing, donc pas mal de motos d'empreintes sur la table de jeu et d'objectifs sécures. À ça, j'ai additionné un détachement fer de lance avec des choix d'élite, à commencer par un QG qui sera Azrael. Donc il va donner son buff avec sa 4+ invulnérable et aussi maître de chapitre, donc des relances à tout va. Il sera accompagné d'un chapelain primaris à moto, super chapelain, maître de la sainteté. Donc tout ça va me coûter des points et surtout un point de commandement supplémentaire pour avoir le trait de seigneur de guerre qui lui permettra de passer ses litanies sur du 2+. Il aura 2 litanies, catéchisme du feu qui va permettre de gagner un plus 1 à la blesse au tir, et exhortation à la rage qui va permettre de gagner un plus 1 à la blesse au corps à corps, encore une fois sur des unités qui sont à 6 pouces de lui. Ensuite, on va retrouver des slots d'élite, déjà pour commander des Deathwing Terminator Squad, les Deathwing Common Squad, donc là c'est les unités Bodyguard. J'aime beaucoup cette unité-là, elle permet de faire plein de choses avec les personnages, notamment de les rendre inciblables et donc de pouvoir contrôler des objectifs, de vraiment très très bonne unité. Ensuite, on va retrouver 2 Dreadnought Contemptor Relic en full canon Vulkit et lance-missile Cyclone. Donc là, c'est 2 belles grosses plateformes de tir avec, c'est des entrées Forge World, donc avec un armement un peu spécial. Vous le verrez pendant la partie, ce sont des armes qui vont faire de la Mortal Wound et qui en plus font quand même pas mal de dégâts. Et pour finir, dernier choix d'élite dans ce détachement-là, ça va être les 4 Servitors.
petit coup de 30 points. Cette unité-là est toujours un petit couteau suisse dans une liste d'armées Space Marines, ce qui va permettre notamment de garder la ligne arrière et puis souvent tenir un objectif toute la partie, se protéger éventuellement de FEP dans notre dos. Voilà pour ma liste. Vous noterez qu'il y a quand même pas mal de points de commandement d'utiliser en pré-game et du coup, je commence la partie avec seulement 5 points de com. Je vais laisser mon adversaire se présenter à vous. Il vient avec une armée thématique magnifique. C'est un joueur que vous n'avez encore jamais vu sur la chaîne. Je laisse Zig présenter son armée Astra Militarum. Salut les seigneurs de guerre, moi c'est Zig et aujourd'hui je serai votre joueur Astra Militarum. Pour ce faire, je vais vous proposer une liste d'armées atypique. Cette liste d'armées va être composée de deux détachements, deux bataillons Lambda Lion. Lambda Lion, c'est quoi? Lambda Lion, c'est moins un à la PA de mes armes, que ce soit mes armes de tir ou mes armes de corps à corps, pour essayer de saturer notre ami Tourob sur sa 4 plus 1 vulnérable de Dark Angel. Mes bataillons. Mon premier bataillon, ça sera donc un bataillon Lambda Lion qui va être composé d'un Tempestor Prime qui sera mon seigneur de guerre. Il sera équipé pour ce qui le concerne de une relique qui donne une sauvegarde invulnérable à 5+, à lui-même ainsi qu'au modèle Lambda Lion qui se situe dans un périmètre de 6 pouces autour de lui. Son trait de seigneur de guerre, ce sera une reroll des as à la touche. Un deuxième Tempestor Prime qui me permettra de donner deux ordres également. Le but, c'est de pouvoir irradier plusieurs unités sur plusieurs champs sur la map de bataille pour pouvoir envoyer beaucoup d'ordres et avoir des options de jeu. Je vais également avoir un Psyker en termes de QG. En termes de troupes, nous allons retrouver 6 troupes dans le premier détachement. On va y mêler des troupes à base de plasma, fuseur, et uniquement des troupes qui seront constituées de fusils laser. Pourquoi? Parce que le stratagème dans le PA Lambda Lion permet sur les tirs de fusil radiant laser, pistolet laser, de faire des mortels sur des 6 à la blesse. Donc le but, ça sera stratégiquement d'arriver à rentrer des unités à portée courte, leur donner l'ordre premier rang, deuxième rang, claquer le stratagème pour aller essayer de saturer Tourob sur l'ABM pour arriver à passer au-dessus de sa sauvegarde invulnérable. On retrouvera dans ce détachement deux unités d'élite Command Squad Sion, une qui aura 4 fuseurs, une qui aura 4 plasmas. Le but, ça sera toujours le même, amener de la saturation avec une forte PA. Un deuxième détachement Lambda Lion, qui sera constitué génériquement sur la même trame, avec uniquement un Tempestor Prime qui sera en moins, puisqu'on n'a droit que 3 fois à la même entrée. On déploiera sur le champ de bataille, en plus, 5 Valkyries, que nous remplirons de Sion avec dans chacune des personnages pour se donner plusieurs options de jeu. Le reste des Sions ne pouvant embarquer dans les Valkyries sera mis en frappe en profondeur car cela fait partie de leur capacité. Voilà, le thème est donné, les armées sont sur la table et je pense que le meilleur gagne. Eh bien les amis, on se retrouve autour de la table de jeu. On va commencer par vous présenter, comme d'habitude, nos secondaires et nos déploiements. Alors de mon côté, côté Dark Angel, pour mes 3 secondaires, j'ai décidé de prendre dans un premier temps le secondaire Space Marine House of the Moment, donc celui qui consiste à la fin d'un round de bataille, marquer un point, 2 points si j'ai une unité entièrement au centre de la table, dans les 6 pouces du centre de la table, marquer un point si j'arrive à tuer dans mon tour un véhicule, et marquer un point si je n'ai pas fui pendant mon tour. Donc globalement je joue Dark Angel, donc c'est plutôt compliqué de fuir, donc ça m'assure quasiment un point tous les tours, et il y a quand même 5 véhicules face à moi, et il y a aussi 5 personnages, donc je devrais réussir à minima à mettre 2 points par tour sur cet objectif là et si j'arrive à de temps en temps mettre une unité au centre, reprendre 2 points. Voilà pour cet objectif secondaire. Le deuxième que j'ai pris, c'est le quart de table. J'ai une armée qui est très mobile basée sur la Raven Wing. Il y a plein de petits tricks à faire avec les stratagèmes, même si j'ai pas beaucoup de points de com, je devrais pouvoir assez correctement me positionner sur un minima 3 quarts de table à chaque fin de mes tours, donc voilà pour ça. Et le dernier que j'ai pris, c'est Attrition. Zig, mon adversaire, a 22 unités sur la table. J'en ai 12 ou 13. Donc normalement, je devrais pouvoir assez facilement, je pense, ramener 9 points au moins sur 3 tours, réussir à faire l'attrition. Voilà pour mes 3 secondaires. En ce qui concerne mon déploiement, j'ai commencé par déployer Azrael, qui va être vraiment au centre du dispositif, parce que l'idée, c'est de, si je n'ai pas le T1, réussir à bénéficier de ma 4 plus invulnérable. Donc globalement, Azrael au centre. On va avoir un pack de motos Space Marines avec une moto d'assaut devant, une autre ici, une autre ici. Donc on a les 3 unités qui sont vraiment en front line et qui captent tous
toute l'aura d'Azrael. Donc tout le monde est en 4 plus 1 vue. On a le chaplain, les deux talons master qui seront protégés par mes deux Deathwing Common Squad. Donc eux, tant qu'un personnage est à 3 pouces, et ben de ces figurines-là, il est pas ciblable. L'intérêt, enfin la difficulté, c'était que les décors qui sont ici sont relativement épais. Je pouvais pas les cacher derrière et bénéficier de cette aura-là. Donc j'ai décidé de les mettre dessus. Donc on va dire que les speeders auront, tant qu'ils bougeront pas, après, quand ils commenceront à avancer, ils bénéficieront plus de cette aura. Le chaplain est devant. Ensuite, on va retrouver un premier Dreadnought Redemptor Full Vulkit. Donc, lui, il s'est mis ici. Il est à 6 pouces d'un Talon Master pour éventuellement la reroll des As à la blesse. J'en ai mis un deuxième qui est plus caché ici. Et après, j'ai toute ma deuxième vague de motos qui sera là pour venir en second rideau dans la partie. Il y a mon pack de motos d'assaut parce que je sais que c'est une unité qui va craindre, parce que cette unité-là a clairement le potentiel pour tuer un avion par tour. Et mes deux packs d'Outriders qui, eux, vont être cool à la charge et vont faire des trucs un peu stylés. Et enfin, mon pack de Servitor qui est caché juste derrière, qui est dans un couvert, ça mange pas de pain. Cette unité-là permettra de venir récupérer l'objectif qui est derrière le décor une fois que les motos d'assaut iront faire leur vie. Voilà pour mon déploiement, j'ai mis rien en FEP et je vais laisser la parole à Zig pour vous présenter ses secondaires et son déploiement. En ce qui me concerne pour mon déploiement face à l'armée de Tourop aujourd'hui, j'ai choisi donc d'embarquer un maximum d'unités dans mes Valkyries. J'ai la Valkyrie qui est ici, qui va être embarquée avec les Command Squad, une Command Squad de 4 plasmas, 4 fuseurs, qui vont essayer de faire une frappe chirurgicale à un endroit stratégique du champ de bataille. Une seconde Valkyrie dans laquelle on retrouve un Tempestor Commander, qui va permettre de donner donc 2 ordres. Et comme il a la relique, les lauriers du commandement, ces ordres pourront être doublés, ce qui explique pourquoi il est dans une Valkyrie avec 2 escouades différentes, une de plasma, une de fuseur. Le but, toujours pareil, jouer à la guêpe et aller piquer là où ça fait mal. Une troisième Valkyrie avec mon Tempestor Commander qui est mon seigneur de guerre, qui apporte la sauvegarde invulnérable à 5+, sur les unités figurines qui se trouveront dans ces 6 pouces, et une reroll des As à la touche sur les unités quand elles sont également dans le rayon des 6 pouces, ce qui fiabilisera une unité de fusil laser pour aller essayer de faire sans doute du premier rang, second rang, associé à un ou deux petits stratagèmes que l'on peut trouver dans les lampes d'Alion. Deux autres Valkyries qui sont remplies de Sion. Les deux ont des psycheurs, puisqu'au niveau des secondaires, on a choisi pour l'Astra Militarium un secondaire qui va être Percer le voile, qui est une action qui s'effectue en phase psychique à 6 pouces du bord de table de l'adversaire. Le deuxième secondaire, au vu de la mobilité de l'armée et de la potentialité des frappes en profondeur, on va choisir l'écart de table. Et le troisième secondaire qui se marie bien avec l'écart de table et la mobilité qui est apportée par la partie aéroportée et frappe en profondeur des Sions, j'ai pris Scramber. L'idée majeure, ça va être de tenir de l'objectif parce que toutes mes troupes sont super objectifs sécurisés, pardon, et de faire les Scramblers au moment où ça sera le plus opportun pour ne pas perdre les tirs qui pourraient me paraître le plus important. L'idée, ça va être essayer de me déployer sur l'ensemble du champ de bataille de manière chirurgicale avec mes unités qui sont de type infanterie pour aller essayer de bloquer un maximum de mouvements de mon adversaire qui lui a le mot-clé motard et qui ne passe donc pas à travers les décors de type obscurant. En FEP, on retrouve donc en frappe en profondeur la quasi-moitié de mon armée. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 unités qui seront en frappe en profondeur. On aura une unité qui est full fusil laser, 2 unités qui comportent 4 plasmas et une unité qui comporte 4 fuseurs. L'idée sera d'apporter de l'objectif sécure sur des objectifs annexes ou de renforcer des rangs de feu afin de gagner une certaine létalité pour commencer à épurer l'armée de Tourop. Bien, avant de jeter le dé pour savoir qui aura l'initiative sur cette partie-là, on fait un petit aparté notamment sur l'interaction des décors. Vous savez qu'on a l'habitude de jouer sur des tables qui sont très cadrées pour être, on va dire, optimisées avec des ruines. Là, on a choisi de jouer des décors un peu plus immersifs. Cependant, on va quand même les adapter pour que la partie soit intéressante. Alors globalement, vous allez retrouver une majorité de bâtiments, donc les fortifications qui sont ici, ainsi que les bâtiments qui sont ici, et les conteneurs ces décors-là, on va tout jouer en occultant. Donc ils auront vraiment la règle qui empêchera d'avoir une ligne de vue quand on tire à travers. Voilà pour ça. On va retrouver 1, 2 et 3 cratères ici. Et on a un cratère aussi dans chaque zone. Donc là, ils seront joués comme des cratères. Moins de mouvement, moins de à la charge. Et ça offre quand même un couvert. Et enfin, on a des falaises qui seront aussi jouées
en occultant, donc ils vont bloquer ligne de vue et qui n'auront, par contre, qui elles seront infranchissables pour les unités d'infanterie, etc. Et évidemment, on peut pas se poser sur ces décors-là. Donc c'est des falaises. Après tout, personne ne se pose sur des falaises. Voilà pour les décors. On a fait le tour. On vous a présenté les secondaires, le déploiement, la table de jeu. Il est temps maintenant de passer au jet de dés, le premier de la partie, qui va déterminer le joueur qui joue en premier. J'aurai un dé noir, Zig un dé blanc, celui qui gagne le jet de dés à l'initiative. Je fais un 5, il fait un 1, je vais donc commencer pour mon premier tour. C'est parti pour la game. C'est parti pour le tour 1. Première phase de commandement, je suis à 5 points de com, je passe à 6, je regagne mon petit point de com des familles. Ensuite, différentes aptitudes à jouer sur la phase de commandement, à savoir déjà le chaplain qui lui a deux litanies, évidemment le plus 1 pour blesse au corps à corps et le plus 1 pour blesse au tir. Je vais passer un plus 1 pour blesse au tir sur mon personnage Talon Master, donc qui est celui qui a l'Arbiter Gaze, qui touchera toujours à 2+. Donc sur un 2+, la litanie passe, donc la litanie est passée. Et ensuite, deuxième litanie, c'est le plus 1 pour blesse au corps à corps. Et je vais la passer sur l'autre Talon Master, qui est celui qui lui est équipé pour aller au corps à corps. Donc toujours sur du 2+, celle-ci ne passe pas. Voilà. Et Azrael va donner la full reroll des touches sur le Contemptor, qui est caché derrière, qui s'était mis à 6 pouces évidemment d'Azrael. Voilà pour ça. C'est parti pour ma phase de mouvement. On se retrouve à la fin. Bien, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, globalement, il y avait deux options sur cette partie-là. Je commençais ou je ne commençais pas. L'idée, c'était que j'ai un déploiement qui était relativement serré autour d'Azrael pour avoir ma 4+ invulnérable dans la mesure où je commençais pas, pour éviter, pour pouvoir tanker un maximum l'arrivée de la violence incarnée par l'Astra Militarum. Et l'autre option était, évidemment, si j'ai pas le T1, de commencer à projeter, de me projeter sur la table via deux vagues. L'idée, c'est quand même que j'ai fait advance toutes mes motos. Il n'y a pas un pack de motos qui n'a pas advance. Pour aller capter déjà la 4+ invulnérable via la Ravenwing et surtout pour pouvoir utiliser un stratagème donc qui me coûte un point de commandement et je pourrais mettre un moins 1 à la touche sur un pack qui a Advance. Donc je pourrais choisir le pack que je veux, on va dire, sur la phase de tir de Zig. Voilà, alors au niveau du positionnement, globalement j'ai fait avancer mes 3 packs de moto Space Marines Lambda. Il y en a un qui est venu au centre pour capter potentiellement s'il survit après la phase de tir de mon adversaire, capter les 2 points grâce au centre de la table. Et ensuite, il y a deux autres packs de motos qui sont venus capter les deux objectifs là. Donc ça veut dire que c'est des menaces qu'il va devoir gérer s'il veut m'éteindre mon scoring. En revanche, à l'arrière, il y a la létalité de mon armée, à savoir les motos d'assaut, les deux Contemptors. Je vais les confondre, Contemptor, Redemptor, toute la partie, ne vous inquiétez pas. Si voilà, si à un moment dans la partie je dis Redemptor, le Contemptor, c'est pas grave. Donc eux ont avancé. Les Outriders se sont jetés pour être le deuxième rideau et puis aussi pour pas lui laisser d'espace pour venir en gros me déborder et puis dropper des figurines dans ma zone. Et enfin, au niveau des portées, surtout, je me suis positionné pour essayer de tuer deux Valkyries à ce tour-là. Globalement, je vais avoir 1, 2 et 3 motos d'assaut, donc celles qui sont dans les packs de Space Marines, qui sont à 24 pouces de cette figurine-là. Donc l'idée, ça va avoir de potentiellement réussir à enlever au fuseur. Et j'ai aussi ce Talon Master-là qui va pouvoir tirer sur celui-ci. Et après, j'ai mes deux Dreadnought Vulkit qui ont 45 pouces de portée, donc qui auront la latitude pour tirer sur la même Valkyrie. On va essayer d'en tuer une. Si on en tue deux, on est tout à fait content d'être heureux. Et puis, globalement, il n'y aura pas de phase de charge sur ce tour-là, je pense. Ce qui nous amène immédiatement à la phase de Zdex, la grosse phase de tir. Alors, pour la phase de tir, l'idée, ça va être de commencer par faire tirer les unités qui ont le moins de portée. Et là, pour le coup, je vais commencer par faire tirer mon Talon Master, parce que c'est lui qui est vraiment limite à 24 pouces. Donc, ce gars-là va tirer sur cette Valkyrie-là. Donc pour rappel, ce petit gars là, c'est celui qui touche toujours sur du 2 grâce à sa superbe relique. Donc je vais pas être impacté par le moins 1 à la touche que m'octroie, enfin que me donne la Valkyrie. Donc je vais toucher sur du 2. C'est sur lui aussi que j'ai passé le plus 1 à la blesse au tir. Donc 6 tirs de bolter lourd et 12 tirs de canon d'assaut. Sur du 2, il y a 3 petits as. C'est pas mal, c'est tout à fait stade d'ailleurs. Et ensuite, normalement je le blesse sur du 5, puisque j'ai de la force 5 et de la force 6 et là dedans du 7, sauf que là je vais blesser sur du 4 grâce à ma petite litanie. Sur du 4.
Hulch. Le G est beau. Alors, celle-ci, c'est du bolter lourd. Je rappelle qu'on est en Doctrine Dévastateur au premier tour. Donc, elles sont PA, non pas moins 1, mais PA moins 2. Et celle-ci, c'est du canon d'assaut. Elles sont PA, non pas moins 1, mais PA moins 2. Sachant que celles-ci font 2 damage et celles-ci font 1 damage. On commence par les 2 damage, pour le plaisir. Ouais. C'est sur du 5, du coup. Je prendrai donc 8. 8 PV. Ça, normalement, ça passe. Eh bien, ça va passer tout pile poil. Ouais, ça fera 11 PV. 11 PV et elles ont 14 PV. 14 PV. Voilà pour ça. Donc le Talon Master a tiré. Ensuite, on va avoir. On va faire tirer l'unité qui est devant d'ailleurs. Donc, à savoir que l'unité en Advance, je suis en Doctrine Devastator et je suis Ravenwing. Donc je vais pouvoir tirer avec mes armes avec moins 1 à la touche. Mais de toute façon, il me met déjà moins 1 et comme ça ne se cumule pas, globalement, j'avais aucun intérêt à ne pas Advance. Donc on va faire tirer nos amis qui sont ici. Je vais faire tirer d'ailleurs le multifuseur en premier, qui va toucher sur du 4. Il passe une touche, j'ai pas de reroll d'aucune sorte puisque Azrael est trop loin. Et je vais blesser sur du 3, reroll des As parce que j'ai mon Talon Master. Ça passe. Décide damage, pas de save. CPA moins 4, ça fait décide damage. 4. Ça fait 4. Du coup, je perds les tirs de bolter, mais c'est la vie. Est-ce que j'explose? On fait débarquer d'abord et est-ce que j'explose après? C'est ça. Ok, donc tout ce pack de motos-là va tirer en premier sur cette Valkyrie. J'ai mis les deux noirs, c'est les deux tirs de multifuseur. Donc je te touche sur du 4+, et j'ai pas de relance. Aïe aïe aïe, c'est moche. Alors, j'ai ça qui passe, j'ai que les bolters qui réussissent, le multifuseur ne passe pas, et après... Hop, il te reste un 4. Tac. Blanc. Et après je te blesse sur du 5, reroll des As, puisque je suis dans l'aura du Talon Master. Ce jet-là est beau. Oui, il est pas mal. Il y a un 5 qui est passé, et t'as deux saves sans PA. Je suis poli, j'en prends une. Ça va, c'est fair play. Donc du coup, lui va tirer, c'est 16 tirs de canon Vulkit, il va toucher, donc il touche sur du 3, moins 1, il touche sur du 4, par contre j'ai la full relance, rappelez-vous que j'ai passé grâce à Azrael, et son mot-clé corps, c'est incroyable, tout synergise, tout coïncide, c'était fait exprès on dirait. C'est du Dark Angel. Allez, sur du 4+, relançable. Heureusement. Ouais. On est bien en dessous de la stat. Ok. Pas plus serait cool, 2 de mieux. 2 de mieux. Ouais. Et là, je vais blesser, donc je suis en force 6, PA-1 puisqu'on endoctrine Deva. C'est sur du 5, j'ai la reroll des As grâce à mon Talon Master. Et il faut pas oublier que les 6 sont des blessures mortelles. C'est parti, max de 6. 2 BM et 4 blessures. Alors, j'ai quand même deux petits As que je vais relancer grâce au Talon Master. Pire que ça. Donc, sur du 5. Sur du 5, ça fait 2 BM et 3 sauvegardes. Alors, les, PA-1. Les BM, je les prends de base. Ouais. On est sur du PA-1, donc du 4+. Et je suis tellement poli que ça fera 2, 4, 6 PV, 8 PV. Du coup, les lance-missiles cyclones ne sont pas à portée, puisqu'il y a une portée 36. Donc, je vais activer mon deuxième Contemptor. Et lui, il va mettre full patate dans le même. C'est parti. Je touche sur du 4 et j'ai aucune relance d'aucune sorte. Oh, bah c'est beau. C'était pas nécessaire, les rerolls. Non, apparemment, t'en as pas besoin, là. Non, là, putain, il est beau, le jeu. Il est ouf, le jeu. Et il est pas mal, et là, on est mal. Et donc, on blesse sur du 5 et du 3 pour les noirs, et je la reroll des As, puisque je suis bien à 6 pouces de mon Talon Master. Alors, il y a une... 2 BM, déjà. Il y a 2 BM, ça passe, ça, c'est relançable, ça, c'est relançable. Ok. Donc, 2 BM, plus 4 blessures à moins 1, donc 4, sur du 4. Ouais, sur du 4. Donc déjà, on va faire sur la 4+. J'en prendrai deux flat. Une. Plus les 3 BM, il y avait combien de BM? Ça fait 2 BM, ça fait déjà 4. Ça fait 4 PV. Il me reste un point de vie. Il te reste un point de vie. C'est de la moins 3, c'est de la moins 3 à 6. Non, donc elle va mourir. Ouais. On va débarquer pour le coup. Allez, c'est parti. On évite les As, ça serait cool. Eh bien écoutez, on aura un mort. Il y en a un, il s'est pété la cheville. Il n'avait pas envie de rester au final. Il s'est dit, ça sent... Est-ce que le châssis explose? On n'a pas dit. On va regarder. Maintenant qu'on a fait le débarquement, on va regarder ça. On va prendre un 6 qui fera un 4. C'est good. C'est pas mal. Je finis ma phase de tir sur la petite tir d'Outrider opportuniste des familles qui va tirer sur les mecs qui ont débarqué. J'ai Advance, donc je vais toucher sur du 4. Le mec s'est chauffé. j'ai pas de reroll là-dessus. Et je te blesse sur du 3. Ouais. C'est PA moins 1 parce que c'est du gros flingue primaris. C'est sur du 5 et j'en perdrai 2. Tiens. Pan. Pan dans la boîte. Ah mais ils sont comme ça les Outriders. Aïe aïe aïe, ça picote. Ok.
Ça nous amène globalement à la fin de mon tour. Alors, pour résumer un petit peu, donc il n'y a pas de phase de charge. Au niveau du moral, de toute façon, tu as perdu une ou deux figurines à droite à gauche. Donc, pas de moral d'un côté comme de l'autre. Pas de charge d'un côté comme de l'autre. Surtout de mon côté, c'est moi qui joue. Donc, pas de charge de mon côté. Hein. Et pour résumer globalement, donc il y a deux Valkyries qui sont tombées. C'était le but du tour, donc c'était bien. Et après, bah, je suis quand même sur 5 objectifs. Et puis là, on va voir ce que l'Astra a dans le sac et qu'est-ce qui va sauter à mon tour. Parce que je pense que cette partie va y avoir un vrai rythme en fait d'attrition pour savoir comment on étaye la puissance de feu de l'autre. Et pour mon attrition, on va dire d'ailleurs au scoring, je fais le point de mon scoring. Pour l'attrition, j'aurais tué deux véhicules. Je mettrai un point à la fin de mon round parce que j'ai tué un véhicule. Quoi qu'il arrive, sur mon House of the Moment. Et au niveau des quarts de table, j'ai une unité dans ce quart de table-là, ce qui fait 2 points sur mon quart de table. Et après, je referai un petit point à la fin du round de bataille pour savoir si tu m'as tué mon unité au centre, savoir si j'ai fui, savoir s'il y a plein de trucs un peu stylés. Je laisse la main à Zig pour son tour 1. Bon, Tourop nous a fait bien mal à sa phase de tir. Il nous a privé de 2 Valkyries, du coup, on va perdre beaucoup en mobilité sur mon T1. Malgré tout, c'est le début de mon tour, donc phase de commandement, je regagne un CP qui pourra m'être utile pour essayer un stratagème pour faire tomber à la phase de mouvement le personnel d'une Valkyrie à 5 pouces d'une de ses unités. Donc on va jouer tout ça, puis on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Au niveau des points de com, tu étais à 7, tu passes à 8, c'est ça? C'est ça, je passe à 8 points de com. Ça marche. Donc fin de ma phase de mouvement. On va essayer de répondre à Tourop. Ce tour-là, c'est soit je le pique, soit je prends une belle bulle à la fin de la partie. Ici, on a une unité de Sion qui a fait un drop de Valkyrie sous stratagème, qui permet de faire le drop, le saut de combat, à 5 pouces ou plus d'une unité ennemie. Et ce n'est pas assujetti au jet de dés pour savoir si sur des 1, j'ai des morts. Ici, on a une Valkyrie qui a fait faire un saut de combat à 2 unités de 5 distinctes. Et là, par contre, je dois faire le saut de combat à plus de 9 pouces d'unité ennemie et je dois lancer les dés pour savoir s'il y a des morts. Même chose ici, la Valkyrie dans laquelle il y avait un Psyker et une unité de Sion a fait un saut de combat à 9 pouces. Donc l'idée va être de... Et le Psyker a débarqué. L'idée va être de faire le nombre de jets de dés pour voir s'il y a des morts également. On commence par ici. Yes. Sur du 1, pas trop de As. Eh bien, c'est le drame, il y en aura 3. Donc on va retirer ici un fusil laser, 2 fusils laser, et on va retirer un fusil laser ici pour ne pas perdre les liens. Là-bas, on va lancer les dés, donc j'en rajoute un, ils sont 11, et il y aura uniquement un mort. Tu peux enlever... T'enlèves un... le Psyker, c'est ça? Non, je ne vais pas enlever le Psyker qui va avoir un petit rôle malgré tout, ma foi. Donc fin de la phase de mouvement, cette unité-là à Advance, c'est une unité qui a débarqué d'une Valkyrie suite à une destruction. L'idée, ça sera en phase de tir de faire faire un go-go-go à cette unité-là pour aller mettre plus de figurines que Tourop sur l'objectif. On s'aperçoit à la fin de la phase de mouvement que Tourop avait mis 2 motos ici, 2 motos ici. Le saut de combat m'a permis d'amener 3 figurines super OP sur chacun des objectifs pour lui en deny le contrôle. Et on rappelle aussi que tu as fait une action de brouilleur dans ta zone. Exactement, les brouilleurs ont été faits par cette unité-là, qui était l'unité de fuseur et qui a fait les brouilleurs parce que pour l'instant pas d'utilité à ce qui la concerne. On passe en phase de psy. Je rajoute juste, on a noté, mais il y a forcément vous avez vu, les avions qui ont droppé du monde sont sortis de la table après. Donc c'est pour ça que vous avez 2 Valkyries qui sont sortis. Le seul avion qui reste sera celui-là pour aller faire les quarts de table parce que les aéronefs font les quarts de table. Ça c'est beau. Phase okay. De tir. Phase de psy. Phase de psy. Sur un 4+. Une charge warp 4. Ça passe. Yes. Donc j'aurais fait Pierce the Veil une fois là-bas. Parfait. Et demain. On verra bien comment ça se passe tout à l'heure. Ça va être compliqué la blagounette. Hein. Allez, phase de tir, on va commencer tout de suite ici. Donc, on va passer à la phase d'ordre. Ce Tempestor Prime va donner un ordre ici qui va être premier rang, deuxième rang. Un ordre ici qui sera reroll des As à la blesse. Un ordre ici pour un CP qui sera reroll des As à la blesse également. Celui-là de Tempestor va donner un ordre ici, reroll des As à la touche. Sur un 4+, il pourra donner un autre ordre. J'ai fait un 6, donc il mettra un reroll des As à la blesse. Et ici, je vais donc donner l'ordre d'un go-go-go qu'il s'agit de faire tout de suite. Ça doit être réalisé immédiatement. Donc, c'est un mouvement avec une advance obligatoire. Ce sera donc une advance de 4. Donc, je gagne un mouvement de 10. Et ce mouvement de 10, on va aller le faire
jusqu'ici. Yes. Là, et je ne ferai pas dans les 1 pouce de tour up. Donc on va essayer de s'étaler un maximum sur les objectifs. De toute façon, c'est du Kleenex Lidl, c'est mort au prochain tour. Je sens que je vais finir tout seul avec ma montre à la fin de cette partie. On a bien du lien à 1 tous les deux, c'est ok. Ben écoute, je te propose qu'on commence par les tirs. Allez, on n'oublie pas, j'avais claqué un stratagème, j'étais donc passé à 8 PC. Ouais. J'en claque un nouveau. Non, t'étais à 8, 8 PC. Donc je passe à 7. Avec le et là, je vais en claquer un nouveau. Ça va être, comme c'est du lambda lion, je vais utiliser le stratagème sur lambda lion, ouais, qui me permet à la blesse, les 6 font des BM, mais la séquence d'attaque prendra fin. Ok. Ça sera sur du 3, reroll des As, parce que le seigneur de guerre donne la reroll, ouais, des As auto. Donc sur du 3, reroll des As. 8. Pas mal de 2. Ouais. Ça, ça touche. Ça, ça blesse, ça touche également. Ok. Oui. Ça, c'est la première salve. C'est la première salve. Viens, on blesse et on fait la deuxième salve. Ouais. Comme ça, on fait donc le plasma, est-ce qu'il blesse sur du 3? Oui, oui. T'as une blesse de plasma en surcharge, évidemment. PA moins 4. Un vu à 4, puisque j'ai Advance. Ok, donc 2 PV. 2 PV et je vais les mettre sur la petite moto qui est ici. D'accord, et maintenant moi je suis force 3, t'es en du 5, je te blesse sur du 5, les reroll. 6 faisant des BM. Et t'as reroll des As, non? Non, j'ai non, pas la reroll des As à la blesse, c'était à la touche. Les 6 feront des BM, donc t'auras à peine une BM, je ouais suis pas du tout dans la stat, et 2 sauvegardes à moins 3. Ça fait une BM à la place, pas en plus? Non, c'est séquence d'attaque prend fin, donc okay, ça en plus, c'est, pas, c'est à la place, ça fait et pas de blessure. Et 4 plus à moins 3, ouais. 4 plus à vue. J'ai réussi. T'en un, prends une. Donc je. La BM m'a tué notre ami qui est là et lui prend un PV. Et là c'est la, c'était la moitié. C'était que la moitié. Voilà, là c'est parti. On touche sur du 3, reroll les As. Ça serait yes bien de ne pas avoir une tripotée de 2. Aïe, il y a de l'As, on est. Il y a de l'As. Il y a de l'As et il y a du 2 aussi. Il y a beaucoup de 2. Ouais. Hein. On reroll ses As. Et on refait un As reroll As, comme tu dirais si. Ça c'est la, ça c'est la famille, ça, ça fait plaisir. Et là maintenant on va essayer d'avoir du 6, ça serait cool. Ah, donc déjà, on a 3 BM. Donc ça me tue une, deux, me tue lui, et la BM vient me mettre un PV là-dessus. Donc là, tu suis une deuxième moto juste à la BM. Et ensuite, on a 2 blessures à PA-3. Un vu à 4, si j'en réussis une, ma moto survit. Oui, du coup, je perds un PV supplémentaire sur cette moto. Pas terrible, terrible la blagounette. On va continuer ici. Est-ce qu'ici, au final, on est à 12? On est à 12. On va essayer de finir au moins cette unité-là, je pense. Ouais. Ça serait pas mal, pas mal. On va donc faire les tirs de plasma, les tirs de fuseur sur cette unité-là. Sur chauffage? Oh oui, oui. C'est, le plasma, c'est un pistol et c'est 2 tirs de fuseur. Ah oui. On est à reroll des As à la blesse, par ouais contre, sur cette unité. Et reroll des As à la touche grâce à lui. Yes. Donc on va commencer par le pistol plasma sur du 3. Il touche. Sur du 3, il blesse. Yes. Tu laisses faire ta save. AP à moins 4 pour 2. Un vu à 4. Un meurt. Hop, deux. Lui saute. Et il me reste 2 copains fuseurs qui vont toucher à 3 reroll As. Parfait. Heureusement qu'on reroll les As. Hein. Ok, il n'y en a qu'un qui touche. Je te ouais blesserai à 3 reroll As. Aïe, je reroll pas. Et deux. Je vais quand même tenter de prendre un CP reroll là-dessus. Ouais. Oh, 2 reroll 2. C'est moche, c'est moche. Ok, on galère bien. On met quand même énormément de points pour aller chasser ça. Et c'est pas rentable, rentable. Ici, on va continuer avec cette unité-là. On va donc faire les 4 tirs de plasma qui vont venir tirer sur ces là, par contre, je vais utiliser un point de com, moi, et je vais te mettre moins 1 pour me toucher sur cette unité-là. Donc, allez, je te toucherai à 3, donc à 4. Je touche à 4 reroll les As. Et moi, je passe à 5 points de com. Donc, je fais 2, 3, c'est moche. Ouais. J'ai pas de reroll. J'ai un quatrième tir, pardon, ils sont 4. Oui. Donc, 2 touches. Deux touches. Je te blesse à 3 reroll As, parce que c'est l'ordre que j'ai donné. Bah, dis donc, c'est moche, c'est moche. Un vu à 4. Ouais, 2 PV dans les petites deux motos. 2 PV dans le groin de ces motos-là. Et je vais t'enlever. Je vais te mettre 2 PV ici. Ok. On passe à cette unité ici. Oui. Cette unité, elle va continuer à tirer. Et elle va tirer sur l'unité qu'on a commencé à entamer ici. Donc on va avoir un tir de plasma courte portée, un deuxième tir de plasma courte portée. On fera le pistolet à part pour ouais différencier les dés. Je surchauffe, bien je sûr suis à 3 rirolas à la touche. Rirolas. Est-ce qu'on a un mort? On a un mort. Ah, rirolas sur du plasma, c'est moche. C'est beau. Je te blesse à 3 rirolas parce que c'est l'ordre qui a été donné. Ouais. Je te fais 3 blesses pour commencer. 3 invus à 4. Allez. Ça fait donc lui meurt avec celle-ci, touc dans l'œil, et je vais te mettre 2 PV dans celle-ci. Ça marche. Et il me reste mon tir de pistolet plasma. Oui. Qui touche, qui blesse.
toujours à l'invue. Un but à 4, Satan. Et les deux tirs de pistolet, de fusil laser. Ouais, Rirolas. Une touche. Et rien. On va aller à la fin de la phase de tir avec l'unité de fuseur ici, qui va prendre pour cible cette unité de moto. Donc on a 4 fuseurs et un pistolet plasma et 5 fusils laser. On commence par les fusils laser. Allez-y. On n'a pas donné d'ordre, c'est sur du 3 natif. Ça sera sur du 5. Oui. Écoute, t'en auras une à moins 3. Ben, un vu à 4, parce que j'ai Advance avec tout le monde. Ça tank. On va faire ensuite les 4 fuseurs qui vont toucher à 3. Fiche. 3 touches. Yes. On va essayer de blesser à 3. Ça serait bien que ça le fasse. 2 blesses de fuseur. Allez. 2 un vu à 4. Il est temps de les rater, monsieur. Une seule. Ah. Écoute, ça fera 2 dégâts. C'est magnifique. Et ensuite, un tir de pistolet plasma. Il touche, il ne meurt pas. Yes. Et il blesse force 8. Il blesse 5. Pas. Ouais. C'est dur, c'est très très dur. Écoute, fin de la phase de tir, tout le monde a voté, on a fait un peu chou blanc. Il y a la Valkyrie qui peut tirer. La Valkyrie qui peut tirer, c'est exact. Ben, elle va tirer dans les serviteurs à l'amitié pour essayer d'aller casser quelque chose, puisque tu m'as fait 2 capés, on va viser les serviteurs. Donc on va faire les tirs de multilaser sur du 4, une touche sur du 2. T'as endurance 3 en du... Je pense que c'est en du 3. Alors si c'est en du 3, c'est bon, je blesse, j'ai fait un 4. Ouais, c'est en du 3, save à 4 et je vais mettre sur un couvert. C'est de la PA ou pas? Non, il n'y a pas de PA sur celui-là et après il y a les 2 D6 tirs. Donc je vais mettre sur le couvert à 3+. Allez, les 2 D6 tirs, ça fera 5 tirs. Ouais. 5 tirs, ça sera sur du 4 parce que c'est Valkyrie, c'est magnifique, ça fait une touche et ça fait une blesse à PA moins. Save à 4 de couvert. Ça tank. Ils sont chauds, c'est les serviteurs. C'est du gros serviteur. Hein. C'est des mecs, on les a quand même bien endoctrinés. On va aller glisser tout doucement vers la phase de charge. Ouais. Voilà, phase de charge, on va essayer d'aller se conforter en se grappant sur cette unité ici. Ouais. Parce que si j'arrive à me grapper, ça serait bien, je pourrais potentiellement éviter du tir. Et on va essayer de faire la même chose là-bas. Donc ici, c'est une charge à 9 et ici, une charge à 5. Voilà, si j'ai bien suivi. C'est ça, ici. Charge à 9 aussi. Ici, on va commencer par la charge à 5 ici, qui m'importe le plus. C'est parti. C'est à 9, c'est parti. Ensuite, on va déclarer cette charge ici à 9 également ici. Ouais. Elle ne passera pas, cette charge ici, à 9 sur ces motos-là. Ouais. Donc, tu passes à 11. Ouais. À 9, dommage. Ouais. Et là-bas, la charge à 9, qui est native. Allez, ça serait bien. Non. Est-ce que là, je veux la CP reroll? Je pense qu'elle est importante. C'est une chance sur 3. J'étais à 7, je passerai donc à 6 CP. Oui. À 9. Allez. Elle y est. Ça charge. Donc là, tu vas me nuller complètement mes primaires. Je mettrai 0 point de primaire au début de mon tour. Exactement. Donc, je suis à 6 CP si j'ai bien suivi les comptes. Je pense que les comptes sont bons. On va lancer les dés pour ici. Ok. Attention, c'est pas des rigolos. Donc. Attention, les mecs, ils viennent pas pour déconner. Ces mecs-là sont pas venus faire un numéro d'humour. Ouais. Sur du 4, parce que je suis un guerrier d'élite de la garde impériale. Ush. Elle est belle. Costaud, les gars. Ouais, il est beau. Oh, ils sont costauds. Ouais, bon, par contre, maintenant, on arrive au moment où ça fâche. Hein. On est force 3. Bon, c'est sur du 5. Sur du 5. Ça se fait, ça se Allez, fait. Allez, les enfants. Ouais, pas mal, pas mal. 4, c'est très propre. Attention, 5. AP à moins 1. AP à moins 1, puisque t'es Lambda Lion. Il faudrait surtout pas que tu rates tout, en fait. Save à 4. Eh ben, t'es poli, t'en rates 3 malgré tout. J'avais lui qui avait perdu un PV. Donc, lui perd un PV et meurt. Et du coup, j'en ai 2 autres. Et donc, je vais mettre 2 PV ici. Ici, la mise en contact, elle est quasi déjà faite. T'es en 3 points, tu peux pas fuir. Je peux pas, pas fuir. Donc, je vais pas chercher à aller plus loin. Et si on est pétant, est-ce qu'ils vont être aussi chauds que leurs potes ici? 4. C'est ce que le monde veut savoir. 6. 8. Bah écoute, 2, 4, 6. On les a entraînés, on essaye. Allez, on rerolle un peu ou pas? Ah, ils sont moins chauds. Eux, par contre, alors eux, ils sont nuls. Ouais, ils sont pas chauds. Allez, c'est parti. Pourtant, c'est des bérets verts, les mecs, c'est des légionnaires. Bah non, rien du tout. Allez, tes répliques. Ok, ma moto qui est là, a 2 attaques, 3 parce que tu l'as chargée. Du coup, elle va te toucher sur du 3. Elle va te blesser sur du 3. Ça en fait une sans PA. Non, à moins 4. Ah, voilà, à 4, pardon, j'aurai un mort qui sera un qui faisait le lien. Yes. Et après, ici, je vais m'activer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir contacter cette unité-là, qui n'a pas tapé. Et qui pourra taper. Et qui va taper, du coup. Et je vais ici. Et là, pour le coup, en fait, je vais activer les 3-là. Les 3-là vont taper dans... je vais taper dans ceux-là.
Ok. Il y a deux choix possibles. Là, en gros, ce que je peux faire, c'est je viens contacter. Il y a un deal qui est intéressant, c'est de se dire je viens contacter, comme ça, il va s'activer et potentiellement, il va me tuer le PV restant de celle-ci et me la tuer, ce qui me dégrapperait complètement. L'autre, c'est peut-être de me dire je vais faire assez de taquets pour lui enlever. Tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu as 7 figurines sur cet objectif-là. J'ai 2 figurines, ça veut dire faudrait que j'en enlève 6 pour réussir à t'enlever l'objectif. Donc non, je vais pas taper sur eux. Je t'enlèverai pas 6 figurines, donc j'ai tout intérêt à essayer de te taper sur eux, en fait. Je vais taper sur eux, mais je te contacte pour que eux me tapent. D'accord. Et pour me dégrapper là, si toutefois tu me tuais. Donc il y a les deux motos et la moto d'assaut, il y a 3 mecs, donc ça fait 9 attaques. Aïe aïe aïe, ça peut suffire. Sur du 3. Bien, et on sort bien. Sur du 3. Du 3. Là, je m'en sors moins bien. Il n'y a pas de PA, par contre. Il n'y a pas de PA. T'as save d'armure de Sion, quoi. Attention, 4+. Ça se fait, hein. Ça se fait pas mal. Belle save. On n'en perd que 2. Ouais, il n'y en a que 2 qui meurent. On va en perdre que 2. Et comme tu es venu me contacter ici, et que je vais pouvoir m'engager ici, pour te conserver la moto là, moi, je vais enlever 1. Ouais. Et je vais enlever 2. Je conserve l'objectif. Ouais, là, tu me le contestes. T'as une figurine dessus, j'en ai une dessus. Donc en gros, tu m'annules mon primaire. Ça me convient. Par contre, du coup, je vais pouvoir faire une phase de mise en place. Tu vas pouvoir activer. Là, donc là, on est à 3 points. Je pense que tu ne pourras pas partir. Ah, c'est-à-dire que si cette moto-là sort, après celle-ci sort. Ah, exact. Donc ce qu'on va faire, on va uniquement. On va juste. Faire taper les mecs qui n'ont pas bougé. On va dire qu'il ne faut pas qu'ils touchent, qu'ils sont nuls. C'est sur du 4. C'est très bien. On les félicite d'être mauvais. J'aime beaucoup le principe. Mais c'est très bien joué. Mais grâce à leur nullitude au CAC, j'ai pas réussi à faire mon. J'ai pas réussi à solliciter l'excellence de l'Imperium, quoi. Non, là, pour le coup, l'excellence. Mais écoute, l'Imperium a essayé de répondre comme il a pu. Il a bien raison. Alors, par contre, il y a un truc qui m'embête un peu, c'est que j'ai quand même perdu 3 figurines sur cette unité-là. Et du coup, en plus, j'ai laissé que ma moto multifuseur. Elle a un vieux commandement merdique de 7. Et j'ai perdu 3 figurines. Donc, je peux clairement rater un test de morale. Ce qui me ferait déjà perdre un point sur le secondaire, ne pas rater de test de morale. J'ai dit que je ne raterais pas de test de morale. Je peux aussi claquer 2 points de com pour essayer de me sauver au moral. Sachant que 3 morts sur un commandement à 7, sur un 5 et un 6, ben, je rate mon test et en plus, je perds ma moto d'assaut. Je vais globalement utiliser 2 points de com. Pour sauver mon point de victoire, et ou pas d'ailleurs, c'est cette moto-là, elle meurt aussi, c'est rigolo, parce qu'en vérité, eux vont te charger là-dedans. Ah bah, tu vas me charger la mouille, ils vont voler, hein. Je vais utiliser 2 points de com, je vais sauver la moto, parce que je veux mettre mon point, donc je vais sauver cette moto-là du moral, en utilisant mes 2 lourds points de com. Ici, j'ai eu qu'un mort, donc pas de test de morale, parce que j'ai quand même le sergent qui a un commandement à 8. Et après, ici, j'ai eu qu'un mort, et je capte en plus le moral de mon chaplain, donc c'est pareil, pas de test de morale là-dessus. Ce qui nous amène à la fin du round 1. Toi, en termes de scoring, pour rappel, tu as fait un brouilleur ici, tu as fait une action de voile ici. Tout à fait. Tu as les 4 quarts de table, donc tu mets 3 points sur les quarts de table. Moi, de mon côté, à la fin du tour, j'ai l'attrition, puisque j'ai tué 2 unités, tu ne m'en as pas tué. J'ai rien fait. Donc, je mets 3 points sur l'attrition. J'ai une unité dans le centre de table, je mets donc 2 points. J'ai tué un véhicule, je mets 1 point. J'ai pas raté de test de morale, je mets 1 point. Et après, mon autre secondaire, j'avais déjà mis, c'était les quarts de table et c'était à la fin de mon tour. Voilà pour ça, vous voyez apparaître à l'écran le scoring et on se retrouve pour le tour 2 de cette partie. Bien, début du deuxième tour de jeu, c'est moi qui reprends la main puisque c'est moi qui ai commencé la partie. Alors, au niveau du scoring, comme Zig l'a très bien expliqué et l'a très bien fait, il m'a annulé complètement tous mes primaires puisque il s'est posé, il me reprend les 4 objectifs centraux, ce qui fait que j'ai plus qu'un objectif sous mon contrôle. Et sur ce scénario-là, il faut 2 objectifs pour marquer 5 points de primaire et je les ai plus. Donc, pas de primaire de mon côté. Ensuite, on vous a fait le point des secondaires à la fin du premier tour, donc ça ne change pas au niveau des points. J'étais à 3 points de com à la fin du tour de Zig, puisque j'en ai utilisé 2, j'en ai utilisé 3, j'en ai utilisé 1 pour passer le moins 1 à la touche sur le pack central qui était important de garder parce que c'est lui qui me permettait d'avoir 2 points sur le fait de contrôler le centre de table. Et j'en ai utilisé 2 pour sauver ma moto au moral. Donc je passe à 3 points de com et à un quatrième au début de mon second tour. Au niveau des aptitudes de la phase de commandement, alors concrètement j'ai Azrael qui va passer une full reroll des touches sur les motos d'assaut puisque c'est une unité
d'accord. Ensuite, j'ai mon chapelain qui va passer un plus un bless au tir sur les motos d'assaut et ça passera sur un gros de plus. Oui, donc elles vont autant te dire qu'elles vont atomiser une Valkyrie. Et je vais passer un plus un à la bless au corps à corps sur ces trois-là. Ça mange pas de pain, c'est gratuit, autant le faire. Enfin, c'est pas gratuit, c'est un de plus. C'est réussi. Donc voilà pour mes aptitudes de phase de commandement. Je vais immédiatement attaquer ma phase de mouvement et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de celle-ci. C'est parti. Faites chauffer les bécanes, les gars. On va laisser 2-3 traces sur le bitume. Fin de ma phase de mouvement. Alors, pas mal de choses qui vont avoir de l'incidence pour mes tirs et aussi pour la phase de charge. Je vous explique tout ça. Alors déjà, on a un petit compte à régler. Châssis, moto d'assaut. Portée de fusion, full reroll des touches, plus un la blesse. Normalement, ce châssis-là devrait se faire atomiser par ces motos d'assaut. C'est pour ça qu'elles sont revenues. Au passage, elles sont revenues gagner ce petit décor qui pourra potentiellement me protéger de la deuxième vague. Ensuite, ici, j'ai gardé un petit bloc mi-défensif, mi-offensif, remis-défensif derrière. Donc, il y a Tonton avec son Vulkit qui est venu chercher une ligne de vue sur le Sion avec son plasma qui est là et qui va prendre la foudre pour tous ses potes tout en étant à la portée de reroll des as de mon de voilà de lui de notre ami le Talon Master. Le Contemptor qui est ici garde l'aura du Talon Master. Le chaplain il reste à 3 pouces des bodyguards et puis il est à portée aussi de différentes unités pour lancer ses litanies au prochain tour. J'ai aussi garder cette unité-là dans le centre de table et surtout je me suis positionné l'intérêt, alors elle n'est pas totalement dans le centre de table, le positionnement va être intéressant sur ma phase de charge parce que le but est, quand je vais charger, de me positionner pour que mon piline puisse me ramener vers le centre de table. Donc là il y aura un petit peu de micro mais normalement ça devrait bien se faire pour essayer de récupérer le centre de table. Ce qui est important aussi c'est de garder une distance de 18 pouces entre deux figurines pour pas qu'ils puissent venir FEP au milieu de table, ça m'embêterait. Ensuite il y a les deux packs d'Outriders qui sont venus en renfort sur l'assaut sur les blocs d'objectifs. Et on a une petite envolée lyrique du Land Speeder. Lui c'est cool, on va pouvoir découvrir un petit peu sa relique, son trait de seigneur qui en fait un petit mec qui tape plutôt correctement au close. Donc on verra comment ça se passe pour lui. Et notre ami le Dread qui est ici, écoutez, il a pas bougé, il est bien et il est content d'être heureux à n'en pas douter. Fin de ma phase de mouvement, on va immédiatement passer à la phase de tir et on va savoir si j'atomise une Valkyrie avec 3 motos multifuseurs. Proportion des chances 15%. Quel survivre. On est sur de la touche à 4+, puisque j'ai le moins 1 pour le toucher. Donc je touche sur du 4, j'ai la full reroll grâce à Azrael. Donc sur du 4 reroll, il y en a 2 qui passent, c'est reroll. Et il y en a 3 de mieux, ça fait aïe. Ça en fait 5. Ok, je blesse normalement sur du 3+, puisque j'ai force 8 en du 7. C'est l'unité la plus proche et j'ai passé ma litanie du plus 1 bless, ce qui fait que je vais le blesser non pas sur du 3, mais sur du 2. Reroll des As, puisque j'ai mon Talon Master à 6 pouces. Normalement, ça se passe bien. On est sur du 2, reroll des As. As, reroll, As, j'en ai pas fait. Paraîtrait-il que la malédiction serait levée. On va de suite le constater ou non. Oui, pas d'As, reroll, As. Ce qui nous fait donc 5 qui passent, t'as pas de sauvegarde. C'est PA-4. Mais... Je suis tranquille. Donc ça fait déjà 10 damage puisque je suis à courte portée. Ah, je suis moins tranquille. D6 plus 2. Ouais, ouais, ouais. Donc 10 damage plus 5, ça fait minimum 15 damage. Pour la blague, on va savoir combien de PV on enlève. Attention. Oh, c'est pas énorme. Ça fait 5 et 6, ça fait 11. 11 et 10, ça fait 21 PV sur la Valkyrie. Bon. Je pense qu'elle est morte. 21 PV, je crois que ça suffit. Oui. Maintenant, si elle est polie. Elle explose. Elle explose. Regarde, j'ai un dé. Allez, on va dire qu'elle est polie. Eh ben, elle n'est pas polie, non. Mademoiselle. En plus, j'ai oublié à ma phase de mouvement, je voulais le déplacer lui, justement, pour m'éloigner à 6 pouces. J'ai oublié de le faire, voilà. Je n'ai pas été sanctionné par le divin jeu de dés. Les motos d'assaut ont tiré. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tirer tout ce que je peux tirer, c'est-à-dire eux non, puisque tous ces petits gens-là sont engagés. Donc, les Outriders qui sont ici vont mettre tous leurs tirs sur ce personnage-là. Puisqu'il ne bénéficie pas de la tension messire, puisqu'il n'y a personne à 3 pouces de lui. Il va donc prendre les 12 tirs de bolter dans sa courge. je touche sur du 3. Et je blesse sur du 3. Force 4 en du 3. C'est là qu'il faudrait un beau fail. Bon, il n'y a pas de fail, on peut l'enlever, le monsieur. Pas de sauvegarde. Ah, c'est une sauvegarde à 5. Pas ouais. Moins 2.
Repose en paix, mon ami. Ouais. Il a fait son action. Il a fait son action, qui pour l'instant ne rapporte rien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que ces trois-là vont faire la même chose, mais sur ces trois-là. Très bien. Donc, ça nous fait 12 tirs, c'est le même dé. Et c'est pareil, c'est du 3 et du 3. Ok. Et du 3 à la blesse. Oui. Oh, c'est pas beau. Bien, donc deux morts sur le côté de ces petits gars-là. Ainsi soit-il. Donc mes deux packs d'Outrider ont tiré, mon pack ici a tiré. Maintenant, je vais prendre mon gros canon Vulkit et je vais envoyer mes 18 tirs là-dedans. J'ai aussi deux tirs de lance-missile Cyclone à 36. Ils sont quatre. Ils vont prendre quand même 2 des 6 tirs dans la mouille de lance-missile Cyclone. Bah, écoute, ça en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, je touche sur du 3, je blesse sur du 3, j'ai la reroll des As avec le Talon Master, et ben écoute, ça en fait 6 à PA moins 1, puisqu'on est en doctrine, ah non, c'est arme lourde, donc pas de PA. Pas de PA, je suis dans un couvert, 3 plus. Ouais. Allez. Je ris. Embrasse ma main. Il ricane au nez de mon Dreadnought. Pour le moment. Contemptor, je vais donc déchaîner les enfers stratosphériques avec 16 tirs de canon Vulkit qui vont toucher sur du 3. C'est un peu plus tendu là. Je vais donc toucher sur du 3 et je vais te blesser sur du 2, c'est force 6. Tout à fait. J'ai pas de PA. Et les 6 font des grosses mortales. Je vais faire 4-6. Bah non. Je le sais déjà. Il faut le laisser du suspense. Il y a 4-6 qui vont sortir. Ouais. Les deux As se transforment en 6. Ah, ça fait 3 mortels. Aïe, 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 ça va être compliqué et de tenir pour le dernier pépère. Ça fait 3 mortels, et puis bah, tout ça te save, puis ça blesse à 2. Ça sera à 3. De la 3 plus magique, la 3 plus magique, parce que... Oh là, pouf, allez, on les enlève. Je pourrais éventuellement mettre du bolter lourd là-dedans. Ouais, je vais mettre 6 tirs de bolter lourd dedans et 12 tirs de canon d'assaut dans lui. Je le sens bien. Alors, je vais te faire, pour la blague, les 12 tirs de canon d'assaut. Oui. Dans un mec tout seul. Ça va être génial. Ça touche à 2, ça blesse à 2. Ça touche à 2. Suffisant. Ça blesse à 2. Ouche. Et c'est PA moins 1. C'est sur du 5. C'est sur du 5. Va-t-il vivre ? Irréalisable. Et mince. Eh ben, oh, écoute, c'était pas loin. On n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin. Deuxième. Réussite. Il est tout décédé. Et les autres loustiques vont se prendre quand même 6 tirs de bolter lourd. Donc ça touche sur du 2. Ah. Et ça blesse sur du 2. Et ça fait 5 à PA moins 1. Toujours à 5 plus ? Ouais. Allez, 5 à PA. Deux morts, ça me va. Eh ben écoute, ils seront tous morts. Ah, je ne vais pas tous les tuer. Ok, dommage. C'est fort dommage. Ça va me faire. Ah, mais c'est un perso lui ? Oui. Oh, mais il est génial. Ah, je l'avais pas vu. Oui. Ah, il tombe à point nommé. Ah, c'est il parfait. Se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, je pense. Je pense qu'il va pas aimer la sanction. Et ensuite, on va mettre les tirs de canon d'assaut ici, dans et tout. D'ailleurs, bolter lourd, canon d'assaut. Donc sur du 2. 1, 2, 3, 4, 5 as. La même, s'il vous plaît, monsieur. Et ensuite, les noirs blessent sur du 3, les blancs blessent sur du 2. D'ailleurs, je pense que je me suis planté tout à l'heure. Ouais. J'ai dû te blesser sur du 2 pour. Je pense aussi. Ouais. Alors, c'est pas oufissime. Les noirs, on a dit sur du 3, donc ça ne passe pas. Et ça, c'est sur. Voilà. C'est de la paire moins 1. C'est de la paire moins 1, ouais. Ça sera donc sur une 5 plus. Oui, pour les 3 petits gars. On en réussit 1, 2, 3. Il mourut. Yes. Petit correctif, parce que là, effectivement, j'ai blessé au bolter lourd sur du 2, alors que c'était sur du 3, sur les 5 mecs. Du coup, on va le refaire pour que ça soit propre et que ça soit cohérent. Donc, avec les 6 bolter lourds, je te touchais sur du 2. Il y a 2 as, et je te blessais sur du 3. Tout à fait. Du coup, je vais pas en tuer 5, effectivement. Et je save à 5. Moins 1, donc à 5. Ouais. T'en tueras 2. Bon, du coup, t'en as 3 qui reviennent. T'en as 3 qui revivent. J'en avais 2 qui étaient devant et 1 qui était ici. Ok. Eux n'ont pas tiré. Et du coup, eux vont mettre tous leurs tirs dans les 3 loustiques là. Donc, ils vont prendre 2 tirs de fuseur dans la mouille. Je vais te toucher sur du 3 et je vais te tuer sur du 2. Ça fait 2 morts. Et après, il y a les 12 tirs de bolter. 1, 2, 3, 4. Sur du 3 et ensuite sur du 3 à la blesse.
Tac, tac, tac. Et ensuite, compliqué qui survive. Sur du 3 à la blesse. Et ça, c'est 5 saves, du coup, APA moins 1. Parce qu'on est en doctrine. À 5, ça va être compliqué, mais il meurt, il remeurt. Voilà. Alors, au niveau des charges, phase de charge, j'ai mon talon master spécial corps à corps qui va venir charger Archibald. C'est un peu comme ça que je l'appelle. C'est parti pour la charge. C'est un gros 9 à la charge. Je vais venir évidemment me mettre ici. Très bien. Je vais me mettre à 1 pouce. L'idée, ça va être de te tuer et de peel-in dans eux. Comme ça, ils ne pourront pas tirer ni faire d'action. Et puis, je serai content. Okay. Voilà. Ensuite, on va avoir ces trois-là qui vont charger dans le mec énervé tout seul dans la pampa. Aïe. Pouf. Le double as à la charge. Est-ce que c'est une charge à 3 ou pas? Attends, regarde. C'est une charge qui est à 3,5. Ouais, donc la charge à 3, la charge à 2 ne passe pas. C'est dommage. Non, vraiment, ça m'embête. Hein. Mais vraiment. Hein. Allez, j'utilise mon point de com. J'ai déjà fait une charge double as, reroll double as. Je t'invite à montrer au public que tu es capable de réitérer l'expo. Moi, je vais vous inviter à constater que la malédiction s'est levée sur mon nom. Oui, mais c'est bon, ça passe, c'est bon. Nos Outriders qui sont ici vont charger, je vais charger les deux unités, ce pack-là et ce pack-là. Ok. Ouais, les deux unités. C'est parti. Eh ben, ça risque d'être dur. Ah, charge à 3, elle va passer celle-là. j'ai fait une charge à 1, j'ai fait une charge à 2, j'ai fait une charge à 3, j'ai fait une charge à 4. Est-ce que je vais faire une charge à 5 ici, sachant que j'ai moins 2, je suis dans le cratère. Donc, je vais te charger sur ce pack-là, évidemment. Ce qui veut dire que normalement, le karma veut que je fasse une charge à 7, moins 2, 5. Et ainsi, la boucle sera bouclée. Charge à 10, moins 2. Alors là, je vais ici venir t'impacter. Est-ce que, non, 10, moins 2, 8, je ne pourrais pas faire le tour. Donc, on va venir ici, ici. Et ici. Okay. Ok. Donc on va tenter. Une charge à 10 du chaplain sur cette escouade là. Costaud le garçon. Le gars est un peu déter quoi. Ok, donc c'est parti. Je vais donc mettre le sergent et notre ami qui est ici dans le pack qui est là. Ils vont prendre donc 7 attaques pour le sergent et 6 pour l'Outrider. Les mecs viennent de. Les mecs touchent à 3, blessent à 3. Ils viennent de loin, ils viennent pas pour rien, je pense. Ils viennent de loin, ils viennent pas pour rien. Ouais. C'est parti sur du 3 plus. Ah oui, ils viennent pas pour rien là. Il est beau. Ensuite, on te blesse sur du re 3 plus. Oui. Allez. Et ça t'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça te fait 7 sauvegardes à PA moins 1. À PA moins 1, sur du 5 plus, c'est parti. Moi, j'aimerais en sauver. T'en as 5, 6, ils sont 6 les bérets verts. Ils sont 7. 7 bérets verts. Ils sont 7, j'aimerais en sauver 3. 3 serait bien. Ben, je suis pas entendu, j'en sauverai que 2. Je vais prendre le pari de garder le sergent et de retirer cela. Et de ne pas faire d'attaque, puisque tu seras pas. Tes sauts clés, c'est pas mal. Du coup, il y avait quand même les 6 petites attaques qui vont dans les bérets blancs sur du 3 et du 3. Ok. Sur du 3 et du 3, ça en fait 4, AP à moins 1. Allez, là, il faudrait chauffer tout le monde hein, dans un bon monde, mais non, les dés n'y sont pas, ça fera 3. 3, ça fera donc 3, on va sauver 1, 2, on va enlever, pardon. 3. J'avais eu des morts. Ah, au tour de combat précédent, j'avais eu des morts. Ouais, t'avais eu des morts. Je vais donc utiliser 2 points de com et je vais faire un swift and strike immédiatement. Donc, eux vont pouvoir faire un petit mouvement. Ça fait plaisir. Ok. Ça me permet de marquer mon centre de table. Ok, donc eux ont chargé, ont tapé. Est-ce que tu veux interrompre? Est-ce que je veux interrompre? Donc, tu as autant d'attaques là, je vais pas faire grand chose. La tag bike, elle est full life pour 2 CP. Non, je ne vais pas interrompre. Allez, donc du coup, je dois continuer à faire taper ceux qui ont chargé. Donc là, on va avoir 19 attaques dans les bérets verts. C'est parti, donc les Outriders ici tapent dans les bérets verts. Sur du 3+. C'est pas super beau. On s'en contente. Zbra. Sur du 3+ à nouveau. Et sur du 3+ à nouveau.
Et ça nous en fait, ça fait ça, tiens. Ok, c'est sur de la moins 1, donc de la 5+, plus. Allez, ouais. On y croit, celui-là, c'est joli. Je pense magnifique. Qu'il y a, si on pouvait faire un geste, gros. Je connais le geste qu'ils sont en train de faire aux Outriders, hein, personnellement. C'est vrai, il leur faut un gros wad. Il y a une espèce de manivelle qui vient de tourner comme ça, côté de la main, là. Continuons dans les mecs qui ont chargé. Eux vont taper là-dedans, donc ça fait 9 taquets. Donc eux, je rappelle que j'ai passé le plus un bless au corps à corps sur eux. Donc ils vont toucher certes sur du 3. Bien. 4 fails sur les 9 attaques, c'est pas ouf ouf ouf. Et je te blesse normalement sur du 3, du coup je te blesse sur du 2. Sur du 2. Bon. Il a combien de PV? Il a 4 points de vie, wow. Faut en réussir une. Moi j'ai pas de PA, ça t'aurait fait. Pas de PA, c'est sur de la 4, faut pas déconner. J'en perds malgré tout 2, mais je reste en vie, ça a son importance. Ça a son importance. Donc eux, ici, eh ben, ils sont un peu chafouins, ils ont raté le perso, c'est comme ça, c'est la vie. Donc les mecs, on est toujours dans la séquence des gens qui ont chargé, et évidemment, on va avoir bon. L'homme du match. Là, par contre, ça sent le sapin. Ça sent le sapin. Alors, notre ami, il a 6 attaques. Pourquoi? Il en a 3 sur son profil. Il a chargé, il en a une quatrième. Il a la relique Hellblade, Fieldblade, Motherfucking Blades. Du coup, il a plus une attaque. Mm-hmm. Ça fait 5. Et je lui ai mis le trait de seigneur de guerre qui lui donne plus 1 attaque et plus 1 force. Plus la réelle décharge, ça fait 6 attaques. Il touche à 2, il blesse à 2. C'est de la grosse épée énergétique. Donc, c'est PA moins 3 et 2 flats. T'as de la vue avec lui? J'ai pas d'invue, il est cadeau. Donc sur du 2, pas trop d'as, s'il vous plaît. Ça va, il n'y en a qu'un. Sur 6D, je l'accepte. Il faudrait que tu en fasses 2 là. Hein. Et maintenant, sur du 2 à la blesse. Il n'y en a qu'un. C'est PA. C'est PA moins 4. Allez. PA moins 4 et flat 2, donc il prend 8 PV. Ah, oui, bah, voilà. Il est content, il a fait un go-go-go. Et là, évidemment, sur le peel-in. Je vais venir faire 3 pouces ici pour me mettre à moins d'un pouce de toi. À taper, à taper, à taper. Donc du coup, c'est toi qui vas reprendre la main puisque tout ce qui a chargé a tapé. Ça là-bas, j'en ai 2 sur l'objectif. Oui. L'idée, c'est d'essayer de pas trop en perdre. Là, t'en avais 15 sur l'objectif, non? Non, parce qu'on a dit qu'on ne travaille pas, qu'on, tu me contestais l'objectif. D'accord, j'en ai 15. Eh bien, au peeling, tout que je te soque sur l'objectif. Ça te va? Ouais, vas-y, ça marche. Là, et je viens de socler comme ça, j'étais entre les deux, je me rapproche de lui volontairement. Yes. Pour peut-être espérer, aux 3 pouces bien correctement, te faire peut-être sortir une figurine de celui-là. Ouais, il te faudrait faire 2 PV. Un PV, il lui reste plus qu'un PV. Il lui reste un PV. Ouais, ça se fait, ça se fait. J'en ai 4, c'est sur du 4. Motivé. Ok, les mecs sont chauds. Voilà, est-ce qu'ils ont continué à manger des bonbons motivés? Sur du 5. Sur du 5. Et il a la dalle, il t'en fait faire une. Ça une. Peut être la bonne, ça peut être la bonne. PA moins 1. Ah ouais. T'es lambda Lyon. Ah ouais, lambda Lyon lambda. Ouais. Sur du 4+. Ah, triple fuck. Eh ben, entre écoute, les cuisses. Ils meurent, ça m'embête parce qu'en plus du coup, ils sont plus engagés non plus, ce qui fait qu'ils ne taperont pas. Concrètement, ça vaut vraiment le coup que je relance cette sauvegarde parce que ça m'embête. Je vais la relancer. Allez, c'est parti. Une chance sur deux, ça le fait. Et donc je perds mon point de com, je passe à 2 points de com. Et je vis, et je vais dans, de taper. Je vais immédiatement, non pas m'activer là, ça n'a plus d'intérêt, par contre je vais ici m'activer. Oui. Je vais activer ma moto d'assaut qui n'a pas tapé. Bien sûr. Et qui va te mettre 2 lourds taquets. Donc, ces bérets verts là, ils sont quand même costauds. Hein, c'est ouais, ceux-là, c'est... Ils ont fait, ils, je pense ils qu'ils ont fait formés. Le Vietnam. C'est ouais, ça. Ce mec-là, il... Je sais pas s'ils auraient pas un certain film. Non. Ouais. Sur du 3, ah, ça il y en a 2 qui passent. Sur du 3. Ah, c'est sur du 4+. Je peux me permettre... Je peux me permettre d'en perdre un, mais pas plus. Un, mais pas plus? Un, mais pas plus. Moi, je dis 2. J'en perds qu'un. Ah, il en perd qu'un. Je peux me permettre d'en perdre qu'un, parce que tu as 1, 2 figurines. J'en ai 3 ici, ouais. Une ici. Je mettrai donc 15 points. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Du coup, je vais pouvoir... Bah, c'est à toi de t'activer. Du coup, tu vas pouvoir faire taper les bérets verts. Mais bizarrement, les fameux. Ils vont pas trop bouger. Hein. Ils sont bien, ils sont 3, 6. Il y a la cohésion de 2 pour 2. On va pas bouger, on va mettre 3 patates de forain dans la moto d'assaut. Bah, vous avez bien raison. Sur du 4. Une seule. Sur du 5. 5. Bah on la prend. Oh, le PV de Lumine. Mais ces bérets verts sont très énervés. Ils sont costauds. Ah ouais, là, ceux-là, ils ont fait la muscu avant de venir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils fracassent. Par contre, du coup, ça va être à moi de m'activer. Non, tu viens de t'activer. Tout est activé. Là, moi, j'ai eux qui vont taper. Là, ça m'amuse moins, mais et là, t'as un vrai choix, là. Bah, de toute façon, eux, je ne peux pas...
Enfin, là, je vais m'activer, donc je peux piline. Tu peux y aller. Mais en si vrai, c'est le plus près, tu peux y aller. Mais en vrai, ce que je vais faire, c'est que Par contre, si tu me les tues pas, tu me les réactives aussi à ton tour. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'avais lui qui devait s'activer. Oui, mais tu pouvais pas le faire taper. Mais je pouvais pas le faire taper. Ouais, je suis entièrement d'accord. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'il va faire, trois pouces et 3 pouces quand même. Il va venir te contacter. Ici, tout à fait. Il n'aura pas tapé, mais en fait, il fait son mouvement de conso, son mouvement de piline. Bien que je vais quand même rester dans les 3 pouces de l'attention Messire. Ah oui, parce que là. Donc, je vais juste rester là, en fait. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas les contacter. Alors, c'est, non, lui, il tape là-dedans. D'accord. Et ces deux-là, tape là-dedans. C'est parti. Donc, ça fait 4 taquets dans les bérets blancs. Sur du 3, monsieur. Aïe. Il y en a 3 qui passent. Sur du re 3, allez, on y croit un peu. 2. Allez, 2, c'est de la 4+. Oh, t'auras quand même l'objectif, de toute façon. C'est parti, c'est de la 4+. C'est magique. Ça tient, ça tient bien. Ça tient. Et ça là, tente. Je vais essayer de te swaguer les deux bérets verts. Ah là, ah, que attention. De toute façon, j'ai l'objectif, mais bon, en soi. C'est parti sur un 4. Ça tank. Par contre, je vais répliquer. À la réplication. Peut-être que je vais pouvoir te prendre la moto qui m'a troll. Donc j'ai mon sergent, il a ses deux attaques, son épée tronçonneuse, et j'ai l'autre monsieur, ça en fait 4 attaques sur du 4, ça en fait 2, c'est propre, sur du 5, c'est ça en fait 2, le double 6, un PA-1. PA-1, sur du 4, elle est morte, c'est la vie, elle a perdu ses 2 PV. Et du coup je suis bien parce que ça me désengage du corps à corps. Très propre, oui, tout à fait. Là ça ne me met pas trop mal. Ici c'est réglé. Bah, je pense que j'ai tout fait. Eh bien, morale. On arrive à au test de morale. Alors, l'idée générale, ça va être d'utiliser minimum un stratagème, qui va être de claquer le stratagème qui me permet de lancer un moral sur l'Astra Militarum à un des trois. Ce qui fait qu'ici, ça sera inratable. Ouais. Et tenter le test de morale à moins 3 là-bas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je claque un CP ici. Ok. Donc, je passe à 4. Des vrais bérets verts bien vénères. Jusqu'au bout. Ça tient. Il ne faut pas que je fasse 6. C'est parti. 1, je reste, c'est cadeau. Bla. Par contre, ces deux-là, non. Ceux-là, par contre, on va les jouer. Ils ont plus trop d'intérêt. Je pense que attention, ils ont... un as sinon rien. Un as sinon rien. 3, ils en ont perdu 4. Ah, ils étaient 7. Ils étaient 7, j'en ai perdu 5, ça fait 8, donc j'en perds un. Et sur un 1 et un 2, le dernier meurt. Bon, allez. Merci, monsieur. Au revoir. Merci il a joué. D'être venu. On arrive donc à la fin de mon tour. Alors, j'ai tué pas mal d'unités. 5, 6. Ça devrait faire l'attrition à la 7, fin du round, normalement. 7 KP, t'es pas mal. Ça devrait faire l'attrition à la fin du round. J'ai pété un véhicule, donc je mets un point sur le House of the Moments. J'ai tué un personnage aussi, d'ailleurs. On verra si cette unité-là est encore là à la fin du round pour savoir si je mets les deux points du centre de la table. Et après, on verra sur le test de morale. Moi, ici, j'ai quand même perdu une figurine, donc je n'ai pas de test de morale ici. C'est tout. Donc, voilà pour ça. Au niveau des quarts de table, par contre, je suis dans les 4 quarts de table. Ce qui me met donc 3 points sur les quarts de table. Et puis, bah, on verra à la fin de ton tour si tu arrives à me faire 6 KP pour m'enlever l'attrition. Je te propose qu'on passe à ton tour 2. C'est parti et ça va être dur. Bref. Début de mon tour 2, je vais regagner un point de commandement. Je vais donc remonter à 5 points de commandement. Suite au tour 2 de Tourop, il a nettoyé un grand nombre d'unités de Sion. Néanmoins, j'ai eu la chance de tenir sur 3 objectifs du centre de la table, ce qui va me permettre de marquer 15 points en objectif primaire. Maintenant, à ma phase de mouvement, il va falloir que je trouve astuces et combines pour faire des désengagements, des mouvements, pour pouvoir amener un maximum d'ordre sur mes Tempestus Sion. Potentiellement faire re-rentrer une Valkyrie, voire deux, dans un esprit de projection de mouvement sur un T3. Et également, le but de mes mouvements sur ce T2, ça va être de lui faire faire 0 points de primaire à son tour 3, tout en préparant, on espère, une résistance des Sions pour, à mon tour 3, marquer 10 points de primaire. Phase de mouvement. Fin de ma phase de move. Qu'est-ce qui s'est passé? Très simple. Le Tempestor Prime s'est désengagé. Pas si simple que ça. Un petit temps de réflexion. Oui, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Là, il y a plein de choses à dire. Frappe en profondeur pour apporter un soutien tir sur le Talon Master et surtout un endroit stratégique, loin des lignes de vue potentielles de nos amis Contemptor, qui, quand même, picote un peu. Retour d'une Valkyrie, retour d'une deuxième Valkyrie avec un Psyker à l'intérieur. Frappe en profondeur de 5 Sions, fusil laser qui n'y a qu'un petit bout de l'objectif et qui vont permettre de faire le Scramber middle table tour 2. Frappe en profondeur de béret vert
et d'un Tempestor Prime pour aller donner de l'ordre. Le but étant, à la fin de la phase de corps à corps de tour op, ces quatre fuseurs se sont trouvés désengagés. On va leur donner un ordre. But souhaité, arriver à tuer au placement et au fusil laser cette unité-là et s'ouvrir un champ de tir sur son personnage. Le but de la manœuvre, c'est de couper tour op sur son T3 de primaire à nouveau. Début de la phase de tir ? C'est parti ! Pardon. L'ordre de ce Tempestor Prime, ça sera reroll des as à la touche pour ses fuseurs et reroll des as à la touche pour les placements là-bas. Ça ok, va, c'est parti. Ça va fuser, quoi. Ça va. Bon, évidemment, je vais utiliser un point de com et je vais passer à une 4+ invulnérable sur mon véhicule. Parce qu'il a une, il en a besoin. Après tout. On va voir. Écoute, ce que tu proposes, on va commencer ici. Alors, juste, parce après, sinon je les oublie. Ouais. Moi, je suis à 2 points de com, il m'en restera plus que 1. Allez, écoute, je sais pas pourquoi, je vais prendre 4 dés noirs. Je sais pas pourquoi. 4 tirs de fuseur, 3 rerolls, rien du tout. Ouais. Ben, c'est pas mal. Tout qui touche. Blesse à 3. Oui. Pas de reroll non plus. Fais plaisir, mon garçon. C'est cadeau. Tout qui blesse. Fais plaisir. Comme on dit dans le jargon, c'est chaud, frère. Ouais. Allez, un de plus, un vu. Ah ! Aïe, 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 j'en réussis qu'une seule. Du coup, je vais prendre. Eh bien, tu vas prendre 6 PV. Vas-y, tu le. C'est parti. Allez, ça fait 4. Donc, on va faire le même plaisir que Tourop face à la Valkyrie. Exactement. C'est cadeau, mon ami. Allez, on calcule, ça fait combien ? Ça fait 2, 4, 6, 10, 15, 17. On est pas mal. On est pas mal. On est 17. Content. Moi, j'en ai fait 21, je crois. Oui, mais monsieur avait 6 tirs, moi j'en avais 4. Est-ce que j'explose ? Non. Ça aurait pas été sympa, ça. Mon talon master. Il a cassé. Allez, on continue dans l'idée. Ici, il me reste donc 7 mecs qui sont en fusil laser. Ouais. Ils sont en portée courte, ça fait 14 tirs. Ouais. J'ai un vrai problème ici. Un vrai, vrai gros problème. Je vais tenter de les finir une unité pour éviter d'avoir de l'électron libre. Je vais mettre l'entièreté des tirs sur la moto d'assaut qui reste à 3 points de vie, ouais, je pense. Il reste 3 points de vie, ouais. Donc, moi, il me reste 4 CP. Je pense que j'aurai pas besoin de plus ce tour-ci. J'ai vraiment envie d'assurer. Je vais donc claquer mon CP pour faire des mortels sur des 6 à la wound. Ok. C'est sur du 3, il n'y a pas de reroll. C'est nul à chier. C'est pas ouf. Ça blesse sur du 5, allez, ça fait de la BM sur 3, du 6. 3-6, on n'en parle plus. Fait plaisir. Bah écoute, il y a un 6 à peine et une blesse. C'est très moche. Il te reste combien de PV, on a dit ? Il m'en reste 3. Il t'en reste 3. Est-ce que je veux prendre une reroll ? Parce que là, ça m'embête un peu. Hein. Je ne peux pas charger. Eh ben non. Je suis obligé de laisser en l'état. Une BM et une save. Save AP à combien ? Moins de 3. Attends. Oui, pardon. Elle est ratée. Du coup, c'est pour savoir si je prenais une reroll. Parce que j'ai oublié que tu n'avais pas la 4+1 vue. La reroll peut être importante. Tu m'autorises de prendre la reroll ? Bien sûr. J'avais oublié. Allez, sur du 5, fais plaisir, mon ami. Non, la reroll est perdue. Je te conchis, toi. Je te conchis. Jetez moi ce dé. Ouais, encore un dé comme ça, je me désabonne. Ouais, moi aussi. Ouais, mais si tu te désabonnes, toi, c'est pénible. Je peux pas me désabonner. En plus, je suis pas abonné. Je suis administrateur de chaîne. Je compte pas comme un abonnement, tu vois. Merde. Allez, unité béret vert qui va faire un full feu sur l'unité qui est proche. Bref. On va prendre le temps parce qu'il y a 4 plasmas. Donc, je vais les faire 2 par 2. Surchauffer. Eh oui. Moi, je veux les voir tellement mourir. C'est eux, tu leur as mis la reroll des as à la touche. Bah oui, oui. Pas fou, la gueule. Je veux voir des as reroll as. Allez, le premier. Le premier. Il a fait un petit as. Reroll. Non, tiens, ça va. Pan. Double touche. Le deuxième. Attention. As. Reroll. Mais ils aiment bien le stress. 6. Ah non, on il est pas mal. Mort. Le deuxième. Ah, il n'y a pas d'as cette fois. Il n'y a qu'une touche. Allez, fais plaisir, garçon. On est pas mal. Hop, et hop, hop. Le pistolet plasma du sergent. La base. Il touche. On va blesser tout ce petit monde sur du 3. Et après, il y aura les fusils laser. Écoute, c'est moche. On est en dessous de la stat. Mais t'as 5 blesses pour 2 dégâts. AP à moins 4. J'ai envie de te dire, t'as moins 4, j'ai pas de sauvegarde. Et vu que l'invulnérable du Jinx, c'est si j'ai bougé à ma phase de mouvement, vu que j'étais loqué au corps à corps. Oui, il y en a pas. C'est sauf frère. Du coup, ça fait. C'est 2 flats. 4, 6, 8. Ça fait 10 PV. Mais tu les as tués. Eh ben. Ils sont morts. Cambre-toi mignonne, j'arrive. Allez. Du coup, ça nous ouvre un tir. Ah. Fufu. Deux fuseurs. Bam. Qui ont la reroll D. J'ai dit quoi, reroll des as à la blesse. À la blesse. Allez, c'est parti. Sur du 3, pas de reroll. Sur du 3, pas de reroll. Elle fait plaisir, mon garçon. Oh, c'est super moche, ça, quand même. Ouais, ça arrive. J'avais pris une reroll, donc je me suis dit, auto, je te blesse à 3, rerollasse.
2 blesses. 1 but à 4. Ah. Car je suis un chapelain. J'ai le... Il n'est pas poli. Qu'est-ce que je te dis? Mais bon, il n'est pas l'objectif sécure. Tu me prends quand même l'objectif. C'est le but. C'était le but de la manœuvre, il est là. Ici, on a fait chou blanc. Donc, la question est... Oui, monsieur, on va essayer d'aller gratter le dernier PV à coup de Valkyrie là-dedans. Ça mange pas de pain? Ça fait pas? Alors... De miettes? Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Cette première Valkyrie, elle va tout voter dans cette moto d'assaut. Donc, le multilaser qui touche à 4, qui blesse à 3. C'est un as. C'est un as. Les deux nacelles de missiles qui vont tirer 2 dés 6 fois. 8. C'est à 8. Ça touche à 4. Fait plaisir, mon ami. Pas terrible, hein, l'Astra. Au niveau tir, ils sont pas champions du monde. Ça te blessera sur du 4. C'est de la force 5. T'en auras 3, P1-1. Oh, ah oh, allez, 3 sauvegardes à 4, on n'en parle plus. Allez, il est mort. Il est archi mort. Bon, on nettoie un peu du multifuseur. Ça commence à libérer les esprits. Du coup, il me reste une Valkyrie. Et pas une vache qui rit. Non, non. Ah bah. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Allez, pour toi, Franck. Alors, l'idée, elle va être où l'idée? L'idée, ben, c'est pas moi, compliqué. Je te proposais vraiment de tirer sur le Dreadnought. J'ai pas. Et je te merde. Parce que j'ai pas à cause de l'occultant. Je vais optionner pour une autre option. Allez, allons-y. Ça va être essayer de finir notre ami ici. Parce qu'un ami à moins, c'est toujours ça. C'est vrai, ça se tient. Donc, ici, oui. Donc, je vais mettre tous mes tirs de Valkyrie sur l'unité restante. Allez, c'est parti, les deux multilasers. Sur du 4, une touche, blesse sur du 3, une save à l'amitié, on sait jamais si t'es poli, t'es pas poli. Pas poli. 2 des 6 tirs, ça fera 6. Sur du 4. Sur du 4, allez, fais plaisir. Ouh, dis donc, ils ont acheté un pilote. Ah oui, ça va être sur du 4 à nouveau, bah, t'en as 3 à moins 1, ça peut se faire. Ils se sont énervés, ces petits gars, là-haut. Ah, les Valkyries à 120 mais dis donc. Qui ont tué un mec trop classe. Tiens, paf, entre les jambes. On est pas mal. Oh. Écoute, c'est pas mal. On a nettoyé 2 unités, une moto. On est en place, tour up sera 0 de primaire. C'est bien. C'est pas déconnant. Est-ce que je veux déclarer une charge? Fin de ton tour, on va quand même faire un petit point au niveau scoring. Alors, ouais, au niveau des actions, tu as fait le scrambler dans le centre de table. Ce qui te fait ton deuxième scrambler, il te restera à scrambler ma zone. Exactement. Donc, autant te dire qu'on va essayer quand même de t'empêcher d'y rentrer. Ça va faire la suite. Par contre, au niveau des quarts de table, tu tiens 3 quarts de table. Tu n'es pas dans celui-ci. Mm-hmm. Donc tu le mets à 2 points. Et, ça s'arrête là pour moi. Et après, tu as, il te reste les actions de voile, mais là, il n'y a pas d'action sur ce tour-là. Il faudra que le psychard le fasse après. Tout à fait. Moi, en revanche, à la fin de mon tour, je suis dans le centre de table. Du coup, je mets 2 points sur le House of the Moment. Et à l'attrition, forcément, bah, tu m'as tué une unité. 2. 2 avec le talon de master. 3. 3, oui, parce que là, c'était... Tu m'as tué 7. Tu m'en as tué. Donc, je mets 3 points sur le... Absolument. Voilà. Et par contre, à mon début de tour 3, je mettrai 0 point de primaire pour la seconde fois consécutive. C'est agaçant, voyez-vous, c'est agaçant. C'est le but de la liste. Eh bien, on se retrouve pour le tour 3. Zbrr. Début de mon tour 3, 0 point de primaire, pot de balle, ploup. Et donc c'est très cool, c'est bien, ça met de la tension dans le jeu, c'est absolument stylé, c'est génial. En revanche... J'ai des petites aptitudes à faire. Déjà, je regagne un point de com, j'étais à 1, je passe à 2 lourds points de commandement. Ensuite, Azrael va passer une full reroll des touches sur notre Dreadnought Contemptor. Voilà. Ensuite, le chapelain, Litany, je vais passer le plus un bless au tir et le plus un bless au cac sur la même unité, à savoir les Outriders. On va commencer par le plus un bless au cac sur du 2+, ça passe, au tir sur du 2+, ça passe, c'est génial. Excellent ce jeu, hyper dur. et du coup, bah, ça va me permettre d'attaquer ma phase de mouvement. Donc là, il faut tailler dans le vif. Et surtout, il va falloir commencer à bloquer déjà les primaires de Zig. Parce que là, il est en train de me mettre de l'avance aux primaires. Et il va falloir que je commence à sécuriser un peu de points de primaire aussi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la fin de ma phase de move. Allez, c'est parti les seigneurs de guerre. Fin de ma phase de mouvement du tour 3. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il se passe plein de trucs. C'est chaud, frère. Alors, globalement, là, ici, il y a eu un tout petit... Il y a eu des micros, vraiment des trucs pointilleux du pro-gamer, globalement. Manix peut en pâlir. Voilà. Alors, j'ai fait avancer ma common squad qui est ici. On va avoir le chapelain à 3 pouces 2, Azrael à 3 pouces 2,
et le Talon Master à 3 pouces 2. Donc en gros, ces trois personnages sont inciblables grâce à ces deux glands-là. Et le Chaplain est dans les 6 pouces du centre, Azrael est sur son objectif, et lui, il a commencé à mouliner sur le canon d'assaut. L'autre à côté est en train de mettre les balles dans la chambre du bolteur lourd, et autant vous dire qu'il y a 2-3 trucs là qu'on n'a plus envie de voir sur la table. Voilà pour cette lourde micro, vous avez vu, c'était un travail de pro-gamer. Ensuite, c'est une blague, détends-toi. Ne te désabonne pas pour autant. Ensuite, j'ai fait avancer les Outriders. J'ai mis deux personnes sur l'objectif au cas où lui, il n'en a qu'une figurine. Et l'idée, en gros, ça va être potentiellement de laver ça et après de charger ça. Et là aussi, on a une figurine sur l'objectif. L'idée étant, on va essayer de rendre l'appareil à Zig, c'est-à-dire de nuller vraiment son scoring. On va voir comment ça se passe. Les motos d'assaut, malheureusement, n'avaient pas assez de portée pour toutes les mettre à 24 pouces. J'ai potentiellement un fuseur qui tirera à 24 pouces sur ce châssis-là. Ça ne sera pas suffisant pour faire le café et touiller tout ça en même temps. Et les deux autres, on verra, on va infuser des trucs, ça sera rigolo. Ici, on avait une figurine adverse, et d'ailleurs je le précise parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, il faut savoir que les objectifs en convention notamment WTC sont considérés comme des cylindres de 5 pouces de haut. Donc ça lui permet en gros de tenir l'objectif depuis l'étage évidemment, et il n'en a qu'une, et du coup moi je suis objectif sécure et j'en ai deux. Donc j'ai Advance et je suis venu me mettre là. Et ici, j'ai fait avancer mes Outriders pour venir me mettre sur deux objectifs. Autant vous dire que ces gars-là vont mourir. Les bérets verts un peu énervés là du début de la partie. Voilà. Et ensuite, je me suis juste placé pour quadriller. C'est-à-dire que j'ai avancé mon dread de façon à ce que, nonobstant le fait d'être heureux, bah, il puisse repousser les FEP et en plus rafaler. Et voilà, globalement, on a fait le tour un petit peu. Je vous propose qu'on passe non pas à ma phase de psy, car je n'ai pas de psyker, mais bien à ma phase de tir, parce que pour le coup, j'ai quelques tirs. Je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, parce que normalement, je peux choisir entre la doctrine, passer en doctrine ou en doctrine, et du coup, je vais rester en doctrine. Ça marche. Voilà. Non, je reste en doctrine de tir. Donc, pas la dévastateur, pas la saut. Tactique. La doctrine tactique que je reste au début de mon tour. Eh bien, c'est parti pour les tirs. Chaud. Alors, globalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire tirer les tirs qui sont obvious, à savoir le Talon Master qui va envoyer full patate dans les bérets verts. Donc on est d'accord, il n'est pas à moins 1 là, en l'état. Non. Pourquoi il le serait? Il a le bolteur alors qu'il n'est pas à moins 1. Ah oui, il est PA-1, oui, pardon. J'ai le canon d'assaut qui est PA-1. Je suis qu'à PA-1. J'ai que de la PA-1. Je croyais qu'il n'avait pas de PA, le canon d'assaut, je sais pas pourquoi. Ah non, le canon d'assaut, PA-1. Ok, ça marche. Vas-y, allez, on verra. Allez, on les fume. Allez, c'est parti, sur du 2+. C'est bien ça. Il y a un As et deux As. C'est propre. Les noirs blessent à 3. Exact. Les blancs blessent à 2. C'est moins cool. J'aime beaucoup ce dé là, tu vois. Celui-là est pas bon, celui-là est pas bon, celui-là est pas bon. Ça, c'est de la save à PA-1. Allez, c'est tout à PA-1, on y croit. Ils sont 10, c'est des bérets verts, ils font des blagues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30. Non, je sais pas. Ouais, je pense qu'ils sont morts. J'y pense, 3, tout pile. On teste pas le canon d'assaut, mon gars, quand il a fait. J'avais dit le coup de la Gatling. Là. Tout pile. On peut enlever les divers, s'il te plaît. Ouais. Cette moto-là d'assaut. Elle va envoyer son tir de fuseur et ses bolteurs parce qu'elle peut tirer là-dedans. Elle les voit. Par contre, les deux-là ne les voient pas. Et du coup, les deux-là vont tirer dans ce gland là-bas qu'elle voit pour le coup. Non, lui, il la verra pas. Il y a la portée? Là, c'est ce que je voulais vérifier. Si t'as pas la portée à 24, pour la Valkyrie, non, j'aurais pas. Ouais. Oui, t'as raison. En plus, j'avais pas la portée pour la Valkyrie. T'as raison. Il y a que elle qui a porté. Et elle, bah, en gros, elle n'a porté que lui et je peux pas lui tirer dessus. Donc ces deux motos-là sont dans le vent. Ouais. Par contre, elle, du coup, elle va envoyer tous ses pruneaux dans eux. Dans les petits mecs en fuseur. Donc tu vas prendre 2 tirs de fuseur et 4 tirs de bolteur. C'est parti, je te touche sur du 3. Non, ça devrait suffire. Oh, et quoi que. Sur du 3. Et c'est PA moins 1. C'est sur du 5, on y croit. Allez, c'est fait. Écoute, un petit mort, un petit mort, c'est beau. J'en perds. Ok. Ah, c'est comme ça alors. Très bien. Je vais faire tirer mon chaplain. Qui va envoyer ses tirs de bolter là-dedans. Ouais. Il va te toucher sur du 3. Ouh. Il sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais faites un effort, monsieur. Faites un effort. C'est PA-1. C'est PA-2 d'ailleurs. En moins 2. Ah, j'en perds un deuxième. Du coup, lui, il va envoyer ses pruneaux, son gros pruneau de plasma dans eux. C'est son plasma de maître. Il touche à 2. Il blesse à 2.
Et CPA. Et CPA-3, c'est de mort. CPA-3, on va faire ce choix ici. On est donc à un moment critique incroyable de la partie, à savoir, est-ce que je vais réussir à fumer ces deux Golemons avec leur fuseur. Donc j'ai un autre rider ici qui a 30 pouces qui a porté sur eux, et j'ai ces deux autres là qui ne sont pas à portée puis qui vont galérer en termes de ligne de vue, qui vont tirer là-dessus. Donc déjà, lui va envoyer ses pruneaux là-dedans. Je vais te toucher sur du 3. Ils sont 4 les mecs, ils survivent. Ils sont 2 là. À la base, ils étaient 4. Ils survivent inlassablement à mes rafales de tir. Ça ne peut plus durer. On est quand même l'élite de l'Imperium. Nous sommes les Dark Angels. Avec un chouïa d'affiliation avec le Chaos, mais ça, on en parlera sur des, sur des vidéos un peu plus flat. Si tu sens, je vais pas te trouver. Sur du 3. Voilà. Il y en a qu'une qui passe. Je te blesse à 3. Ah, tu vois, ça ne veut plus là. Je te blesse à 3. C'est un 3. C'est PA moins 2. PA moins 2 ? Ben, ça sera un 6. Ouh, j'y ai cru. Oh, je vais quand même te faire les 8 autres tirs dans les 4 gogoles qui sont devant moi. Là, j'y crois moins là. Sur du 3. Ah, ça y est, là ça tire. Hein. Eh ben écoute, allez, ça t'en fait 5 à 6. Beaucoup de 6, ils seront morts. Voilà. Alors, on reprend. Ici, 2 des 6 dans lui. Allez. Allez, j'aimerais bien un petit effort. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est stats. 7, je prends. On est au-dessus. Et ensuite, je touche. Sur du 3. Sur du 3. Oh, ben, oui, ça y est, il y en a qui s'est chauffé. Il était temps un peu. Ah, voilà. Aïe, ça a piqué. Il y avait un as. C'est sur du 5, c'est PA-1. Non, il n'y a, a pas de PA, c'est du missile cyclone. Et c'est de l'arme lourde. Il meurt de pas beaucoup. Mais il meurt. Il meurt, je te l'accorde. Mais il t'aura emmerdé jusqu'au bout. C'est vrai. Par contre, les 4 zouaves là-bas, là, postés sur leur perchoir, ils m'ont quand même lourdement infusé un talon master. Autant te dire qu'il y a une certaine rancune qui est née au sein du chapitre concernant ces 4 gars-là. Risque. Il s'est chauffé depuis le début, on va voir si ça continue. Ça, c'est pas bon. 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 Et sur du 2, pas trop de 6, s'il vous plaît, soyons polis. Genre 1 pour la beauté du geste. Là, je m'éclate le dos depuis tout à l'heure. Ouais, vas-y. Je viens sur cette caméra, c'est génial. Elle est bien. Allez, attention. Bon, il n'y a pas un 6. Bon, par contre, moi, faut pas que je fasse d'as. J'ai une 4 plus de base, couvert 3 plus, stratagème 2 plus. C'est parti. Oh, sa mère l'hypopète. 1, 2, 3. Je prends. Tu es sanctionné par le divin. Le divin dieu Dark Angel. 3 morts. Yes. Et un petit point de com. C'est fait, c'est enlevé. T'es à combien là ? 2. 2, c'est bien, ça me plaît. 2. Bien. Deux. Lui a tiré. Oui. Il me reste à tirer. Eux et tonton Vulkit. Oui. Ok, très bien. Très bien. Très bien. Eh bien, déjà, eux, ils vont envoyer tous leurs tirs de bolter dans ce sgeg là. Ouais. Autant dire qu'on va pas lui laisser une seule chance de survivre. Je le sens bien. Ça fait 12 tirs de bolt, touche à 3 et blesse à 2. Ah, je le sens moins bien en fait. PA, moins 2. Ah, ça se complique. Allez. Touche à 3. Ouais, correct. C'est pas mal du tout. C'est au-dessus, mais oui, c'est, bon, c'est là que. Après, en plus, save à 6, ça va être compliqué de le tenir. Blesse à 2, amuse-toi. Ouais, bon, bah, je te dis, je vais lancer les décès pour la forme. C'est pour la forme. Écoute, voilà. Je te laisse me le retirer. Merci. Oh, tu peux envoyer des pipes et des stratos plus gazés. Ok, donc là, je t'ai annulé toutes tes primaires à mon tour. Effectivement, cette fois, je ne marquerai pas de primaire. Et j'ai tonton qui va tout mettre dans sa grosse mouillasse à lui. Donc son missile cyclone en anti-char, 2 tirs sur du 3, du 4 plus, puisque tu mets moins 1. Par contre, j'ai une reroll des. Ben, j'ai full reroll des touches, de toute façon. Allez. Donc sur du 4 plus, full reroll. Une, la full reroll. Eh ben non. Et sur du 3 plus, reroll des as, puisque j'ai. Papa Gaillot. Ça blesse. CPA moins 2. CPA moins 2. Ça tank. Ah non, pas ça. Merci, okay, ma biche. Ok. Très bien. C'est là qu'on y croit, là. C'est là que la pluie de 6 va se faire. Pop. 8. Là, il y a j'ai de la reroll, par contre. Là, ça va pas ricaner. Je viens mettre pour l'occasion. La touche, hein. Allez, pour l'occasion, je viens mettre ici. Allez. C'est parti. On est sur du 4. Reroll de tout. Allez. Ce qui passe pas. On est bien, on serre les fesses. Ça passe. Allez, la rirolasse. Ouais, c'est pas terrible. Pour la rirole du moins. Blesse à 5. 5. IBM. Blesse à 5, rirole des as. Grâce à mon talon master. 2, 3, 4, ce sera bien. Oh le salaud. Alors, Adas. Blesse à 5, on a dit. Ouais, rirole des as. Il y a 2 BM. 3 mortels. 3 BM. 3 BM et 2 save en plus. 5 sauvegardes.
C'est pas de PA. C'est pas ouf. C'est sur du 3. Donc je prends 3 BM. Je vais prendre. J'ai pris une reroll ou pas? J'ai pas pris de reroll. J'ai besoin de quoi moi? J'ai besoin de quoi? Ouais. Je vais en jeter 4. C'est sur du 3. Bon, ben je vais jeter le dernier. Rien. Donc il n'y aura pas de charge. Au niveau des tests de morale, tu as lui qui a un gros test de morale. Et un gros test de morale. Il a perdu 4 potes. 3 quoi. 3 potes. Ah, ils sont que 4 dans l'unité. Il a une morale à 6. Ça se joue. Je vois pas le C'est bon. Je suis d'accord. C'est beau. Il est là. J'ai pas d'autres tests de morale parce que ce qui a été touché a été, été tué. Explosé, ratiboisé. Scoring à la fin de mon tour. J'ai les 3 points sur les cartes de table puisque j'ai une unité ici. J'ai une unité là-bas et une unité là-bas. Au niveau des kills, j'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai fait que 4 unités sur ce tour. C'est ça, hein? Une unité, 2, 3, 4. C'est ça, 4 avec le Tempestor. 4 unités avec le Tempestor. J'ai tué un personnage, ce qui me permet de mettre un point sur le Out of the Moment. Yeah. Et il va falloir que tu me tues 4 unités pour me faire rater l'attrition. Tellement simple. On finit sur mon tour 3 et je te passe la main. Et toi aussi, tu vas mettre 0 de primaire. Oui, mais bon, d'accord. C'est parti pour le tour 3 de l'Astra. Début de mon tour 3. Ce tour-ci, il nous reste 2 unités de Sion en frappe en profondeur à faire absolument venir parce qu'on arrive au dernier tour où on peut faire rentrer les unités en renfort. Quelques unités sur table, le T3 de Tourop a été létal et m'a essentiellement privé de scoring au primaire. Ce tour-ci, le but du jeu, lui rendre la monnaie une nouvelle fois, tenter de nullifier son primaire tout en grappillant quelques points à mon secondaire à moi. Je suis à 2 CP, phase de commandement, je passe donc à 3 CP. C'est parti pour la phase de move. Fin de ma phase de mouvement. Les forces ne sont plus suffisantes pour faire du deny de primaire à Tourop. Donc on va essayer de se projeter sur du T4 et du T5. Oui, t'es pas très cool, moi, je trouve, hein, quand même. Hein. C'est moi l'invité, normalement, t'aurais dit c'est sympa. J'aurais dû jouer avec une Jane Sealer. Ouais, aussi. Ouais. Donc, on a mis des Valkyries avec une unité de 5, une unité de 10, qui initialement étaient positionnées à l'abri des tirs, qui, à la fin de leur phase de move, étaient à moins de 3 pouces d'une Valkyrie. Elles ont pu toutes réembarquer dans des Valkyries pour se projeter dans le camp ennemi. En position pour faire l'écart de table, le Psyker qui était dans la Valkyrie est descendu pour aller faire son action psychique pour essayer de marquer un petit peu de points au secondaire. Ici, on a fait drop de l'unité tout simplement pour essayer de tuer une moto, deny celui-là. Et si on a de la chance, tuer ça au tir, on n'y croit pas trop, voire confirmer avec une charge. Ceci dit, dans tous les cas, il devrait faire entre 10 à 15 points au primaire pour son T4. Je ne peux pas venir à bout de cela. Phase psychique, action psychique. Action psychique, c'est sur du 4. Je regarde pas les dés. Ça passe. Oh putain, ça passe tout juste. Ça passe, non, ça passe. Donc ça me fera 8 points de secondaire. Puisque ça, tu l'as fait deux fois. C'est ça. Donc, si tu arrives à le faire encore une fois au tour 4, encore une fois au tour 5. T'auras... Alors attends, laisse-moi. Je le ferai pas, je pense. Je pense que là, c'est bon, il a fait son job. C'est bon, c'est cool, mec. On va passer à la phase de tir. Yes. Ici, on va tenter un tir de fuseur. C'est sur du 3. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ah. Est-ce que. Là, c'est quoi? C'est que des fusils radiants? C'est que des fusils radiants. Et ici, on a 4 fuseurs. Ici, on a 4 fuseurs. Là, c'est que des fusils radiants. Eux ont Advance. Et ils vont profiter d'un petit stratagème qui dit qu'il va y avoir moins 1 pour les toucher. Je suis à 2, je passe à 1 point de com. C'est parti. Je toucherai donc sur du 4. On y croit, on s'est entraîné au tir. On va prendre un CP reroll, il m'en restera donc 2. Il faut le prendre, on y croit encore. Juste titre, c'est un 6. Blessera sur du 3, le suspense est à son comble. Pourquoi il y a des 1? Pourquoi tu as mis des dés avec des 1? Je sais pas, je suis désolé, c'est pas moi qui fais les dés. Ici, on va donner l'ordre, pardon. Premier rang, deuxième rang. Ici, on va donner l'ordre. Premier rang, deuxième rang également. Ok. Lui donnant la full reroll, enfin, pardon, donnant la reroll des as, on va donc avoir 18 tirs de fusil radar sur cette unité. Je suis serré seuf. On est sur un serrage de seuf. 18 tirs, touche à 3 reroll as. Touche à 4, j'étais à moins 1 pour 4. Oh, et puis avec la palanquée 2, pourquoi les 2 c'est pas des 4? T'as des 3, il y a des 3, il y a des 3, il y a encore un 3, il y a des 3. Il y a un as.
Voilà. Voilà. Je te blesse sur du 5. Ça peut se faire. Bah, ça va se faire. Il y en aura 3, PA moins 3. J'ai un advance, j'ai un dude, avance à vue à 4. Il prendra deux PV. Petits PV. Et je vais les mettre évidemment sur ma moto d'assaut. Il y a le plus de pave. Ça va se compliquer. Ici, on va faire la phase de tir. Ici, on va avoir 4 tirs de... Des gros fufus. Fuseurs. Oui. 3 rirolas. Rirolas. Blesse à 3. Oui. Allez, on y croit là, il ne faut pas déconner. Ah ben c'est beau, il n'y en a que 2. Eh bien, un vu à 5 parce que j'ai quand même bougé. Et que je suis un mec de la Ravenwing, moi, monsieur. Ça se fait, la preuve, ça se fait. Voilà. Un petit dé à l'amitié. Ça sera que 2 PV. Et plus 2, c'était en fusion. Non, c'est... Non, je ne suis pas à portée courte. Donc, je ne prends que 2 PV. J'ai oublié. Ouais, tu prends que 2 PV. Je mettais le stratagème, si tu me l'acceptes, faire bien sûr, à la bien sûr. Donc, je suis en premier rang, deuxième rang. Je vais enlever celle-ci. Je suis en premier rang, deuxième rang. Il me reste un tiers de pistolet plasma à générer avant tout. Et ça sera les fusées laser. As, je surchauffe évidemment, je reroll. Je touche. Oui. Je blesse. Tu blesses. Et à moins 4 sur ton invu pour 2 dégâts. Invu à 5, monsieur. Monsieur le fait. Ah, on est là avec nos motos comme as dans le virage. Et on repart en cabran. Sur du 3 rirolas pour les fusils laser, c'est pas mal. C'est pas déconnant. Ça sera sur du 5, 6 BM. On fera une BM, 2 BM, BM et une save à moins 3. Tu me l'as tué à la BM. Et la petite invu à 5 en cabran. Bah, 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 bah. Aïe, aïe, il la prend. Il la prend. Il la prend. Il la prend dans la jante avant. Aïe, aïe, aïe. C'est il nous reste quelques tirs de Valkyrie. Oui, t'as failli dire Valkyrie. Oui, j'ai failli le dire. Ouais. Cette Valkyrie va tirer dans tes petits servitors pour se dégager la place. On aura 3 tirs sur du 4 de multilaser. Ouh. Dis donc, elle dis donc, a fait l'académie de l'aviation. Ils ont acheté un fuseur, un viseur, pardon. T'auras 2 blesses, 3 blesses pour sauter. T'es endurance 3. 3 blesses, pas de paire. Eh ben, j'ai alors une par une, parce que le premier a couvert à 3+. 3 plus à couvert et 3 plus à couvert. Et bah écoute, il meurt. Il reste les 2 tirs de dessinacelle. Ça fera 8. Sur du 4. On espère qu'il vise toujours aussi bien. Nul à chier. Et je te blesse sur du 3. C'est force 5. Ça sera de la paire moins 1. Donc il y a toujours un qui est là qui touche les fortifications. Donc pour l'instant, je mets sur lui. Paire moins 1. Paire moins 1. Donc sur du 4. Il est mort. Et là, je vais la mettre sur celui-ci. Il n'y a que lui, il est à couvert, mais il tient l'objectif, donc je ne veux pas qu'il meure. Et du coup, je vais la mettre sur l'autre. D'accord. Et là, c'est tank. C'est sauvegardé. La deuxième va faire la même chose. Même cible. Joueur joue encore. 4 plus. Touche. 2 plus. 2, 3 blesses. Pas de PA. Pas de PA. Donc sur celui qui n'est pas à couvert, parce qu'il a commencé à tanker. Oui, exactement. De toute façon, je n'ai pas le choix. Ah, bah. Il est mort et l'autre est mort. Ok. On a lavé une petite unité. Ça peut nous éviter 2-3 petits problèmes. Fin de ma phase de tir qui a été somme toute assez rapide. On va tenter une charge à 9. Allez, on porte ses roubignoles, on est des bérets blancs, c'est à 9, c'est facile. C'est cadeau. Easy. C'est moi qui régale. Une deuxième charge à 9 parce que c'est tellement simple. Voilà. C'est trop facile ce jeu. Ce jeu est d'une... Ah ben ça c'est bien ça par contre. Ouais, celle-ci, parce que là, par celle-ci est très embêtante. Celle-là elle est très très bien, elle est bienvenue celle-là. Charge à 12. On va y aller. En ligne droite. Et surtout, ce qui est super, c'est qu'avec le peeling, vu comment c'est fait et que c'est contre le mur, si j'ai pas trop de morts, tu ne pourras pas désengager. Charger ici, c'est une charge à quasiment rien du tout. Hein. C'est être une charge, il faut que tu te retrouves une. Ouais, c'est une charge à. Il faut que tu passes ton socle. Voilà. Ouais, c'est, bon, c'est, ça passe. 9. Ça passe. C'était des charges, somme toute, ok. Ici, je vais faire une activation, ce qui me semble le plus important, parce que je veux me grappe. Remarque là, j'aurais... De toute façon, il ne me reste plus qu'un point de com. Je pourrais pas te... tu peux y aller, je ne pourrais pas t'interrompre. C'est parti, on va faire les 3 pouces. Les 3 pouces. 3 pouces. Et on va venir se coller ici. C'est nul. Ouais, c'est nul. Oh, c'est stat, hein. Je râle, mais c'est stat. Sur du 5, par contre. AP à moins 1, ça t'en met 2. Ah, potentiellement, on peut prendre la moto d'assaut. Et on le fait. Eh ben, t'as pris la moto d'assaut. J'ai pris la moto d'assaut. Ok. Du coup, on va en profiter pour aller resserrer les taux au maximum de ce que l'on peut faire. 3 pouces, ça arrive au contact ici. Ici ? Ouais. Comment on va faire ? Ici, on va jouer pareil, on va faire un mouvement de 3, dont le sergent. Donc 7, 2, 4, 6, 1, 7, le sergent. 3, 6, 7, le sergent, son épée, sur du 4, c'est pas mal du tout, et à nouveau sur du 5,
Attends, vas-y, vas-y. Ah, pardon. Fini. Mais ça t'en fera 3 PA-1 quand même. Oh. Et je prends 2 PV. Et je vais venir finir mon pinning. Je cercueille ici. Alors, 2 PV, tu m'as fait. Du coup, l'ami qui était tout seul à taper n'a rien fait. Le gars avec son fuseur. Moi, j'ai mes autres riders qui vont taper. C'est parti. Allez, sur on du, les fesses. Sur du 3 et du 3. Mmh. 4 échecs. Je suis pas chaud chaud hein, des dice aujourd'hui là, ça veut pas, ça veut pas. Allez, 4 save. 4 save, PA, c'est... moins 1. C'est sur du 5. Ah, on y croit. Et bon, on y croit bien, c'est on n'en perd que 2. Ok, et maintenant, lui, il va taper dans le gars qui est tout seul avec son fuseur. Il a 3 attaques, comme tu l'as chargé. Chaud. Une, pas allez, de PA. On y croit, le 4. Le 4. Écoute, j'ai envie de te dire, rien ne perfore ton blindage. Ah bah, c'est le mec a un blindage quantique, quoi. C'est attention. Est-ce que on n'arriverait pas à la fin de ton tour? Écoute, il me semble bien que oui. Je t'en ai tué combien là? 2 seulement? Tu m'en as tué 2. Ouais, il me reste un CP, est-ce que je veux lancer mon moral? Ah, j'ai un moral de 7 sur un 6, j'en perds 1. Ah, je suis pas en attrition, ça fait chier. Ça... Bah écoute, je suis joueur. Allez. Je ferai pas un 6. Tu n'en fais pas. Putain. Et ici on est bon. Là, moi, on est bon, y a pas j'ai perdu une figurine là, j'ai pas de test de co. Là c'est pareil. Et après ailleurs, voilà, donc de... maintenant ça te donne quelques choix, je pense. Ok, on arrive à la fin de ton tour 3. Globalement, tu vas mettre. Quart de table. Les 4. Père The Veil. Donc 3 points sur les quarts de table, 8 points sur le Père The Veil, les brouilleurs. Il faut que tu fasses encore une action dans ma zone. Exactement. Et du coup. Moi, à la fin du tour, je suis toujours au centre de la table. Donc, je mets 4 points sur mon House of the Moment. T'as pas fui. Et en plus, je mets 3 points sur l'attrition. Oui, tout à fait. Ah oui, l'attrition est compliquée hein, pour moi. Là. Je peux pas rendre l'appareil. Hein. Début de mon T4, je suis à 1 point de com, je passe à 2. Je mets 5 points de primaire puisque je tiens 2 objectifs. Les belles charges qui ont été faites par l'Astra m'a complètement sorti de tout le reste. Donc c'est comme ça, je mets que 5 points de primaire. Et après, j'ai quelques petites aptitudes. Donc évidemment, full reroll des touches sur le dread ici. On va passer un petit plus 1 pour bless au tir sur avec le chaplain sur le dread sur du 2 plus ça passe et on va passer un plus 1 pour bless au corps à corps sur les outriders ça passe pas. Oh. Allez c'est parti, j'attaque ma phase de mouvement, on se retrouve à la fin de celle-ci. Ok, fin de ma phase de mouvement. Alors globalement ce que j'ai fait, je me suis réorienté sur les menaces, je vais essayer de d'imposer une forme de létalité en quelque sorte, voyez-vous, quelque chose de d'artistique en somme. Alors l'idée c'est que ces motos là sont placées, ça va venir charger dans les ditroglodytes juste ici et avant j'en ai un et deux qui pourront tirer dans le psyker qui est là, lui n'ayant pas de ligne de vue. Le chaplain va venir en renfort pour charger là-dedans. Avant, il lâchera ses tirs de bolter ici. J'ai utilisé 2 points de com pour désengager malgré le grab. Ça m'a coûté mes 2 derniers points de com. J'ai jeté mes 2 dés, ça n'a tué aucune figurine. Donc ces deux-là sont sortis, se sont posés sur cet objectif-là. Ce qui fait que ça lui enlève puisqu'il n'y a qu'une figurine dessus. Et là, ici, zone de tir. Là, c'est-à-dire que il va y avoir une zone de violence assez considérable. Et on va voir où tout ça va nous mener. Dans un premier temps, je vais faire les tirs qui n'ont pas beaucoup d'options, à savoir déjà les 8 tirs de moto qui vont toucher sur du 3 et blesser sur du 3 et qui vont essayer de se farcir un psyker. Sur du 3, je suis vraiment... c'est compliqué pour moi aujourd'hui. Hein. Ah. Et il n'y en a que 2 qui passent. C'est de la PA. C'est de la PA moins 2. Puisqu'on est en... Ah non, je suis en doctrine d'assaut, donc c'est un PA-1. Alors, je vais prendre 2 secondes, je crois bien que je n'ai qu'une 5 plus 1 vue. Oui, qu'une 5 plus de base, je prendrai 2 PV. C'est ça? C'est ça. je vais utiliser mes 3 lourds fuseurs et je vais tout mettre dans cet animal-là. J'ai une reroll des As grâce à Azrael et j'aurai une reroll des Blesses grâce à... À cette chose. Par contre, j'ai moins 1 pour te toucher. Je te touche sur du 4, reroll des As. C'est pas mal. Si la reroll des As pouvait être... Allez, ça que je veux voir. Fac. Et là, il va faire 3-2 et on n'en parle plus. Je te blesse à 3, reroll des As. Un petit 2, c'est moche. Hop. Tu prends 2d6 plus 4. Allez, attention. Fais plaisir. Attention. Oh, les loups. 7 et 4.
11. J'ai mes tirs de bolt. Il y a quand même 12 tirs de bolt qui vont partir. Ah merde, je danserai après si je survis. Oh, c'est sur du 4 et c'est sur du 5. Et ça se save. C'est sur du 4, reroll des as. J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Ah, ça coupe bien. Oh, là, il y en a beaucoup par contre. Et c'est ouais. Sur du 5. Oui. Reroll des as. Bon, là, il va pas falloir que je me chine. Ah, il y en a une. 2. 2, 2. 2 à 3 plus. Ça tank. Pardon pour le chapelain. Ok. J'ai mon ami qui est ici. Ah, qui ne te verra pas lui, donc lui il va utiliser son méga plasma dans celui-ci. Surchauffe Il surchauffe tout le temps lui, c'est un plasma de Jobar. C'est un plasma de Jobar. Il touche à 3 et il va te blesser à 3. Et à moins 3, c'est du gros plasma. 6, c'est tanké. J'ai envie de te dire, au bout d'un moment tu ne fais pas d'effort. Non mais là il arrive un moment, j'aimerais bien arriver à faire un petit truc. Ok, je vais utiliser le premier qui est là. Oui. Il va mettre son Volkit là-dedans, donc celui qui a toutes les rerolls. Il va mettre son Volkit là-dedans et son lance-missile cyclone là-dedans. 12. Je vais claquer mon CP, mon dernier CP. Ouais. Et j'aurai plus un à la save ici. Ok. Déjà, je vais te faire le Volkit dans Toto. Je le touche à 4, full reroll, puisque c'est sur lui que j'ai mis la full reroll. Alors, le G moche, globalement. Oh, stat, regarde. Oui, c'est ça. Non, stat, à un près. Ouais, à un près, oui, c'est vrai. Beaucoup d'as qui fait que c'est moche. C'est ça. Ouais, ça perturbe. Ça perturbe. Visuellement, ça perturbe. La reroll, beaucoup mieux. Ça, c'est complètement cassé. Complètement un 6. Ça fait mal. Ok. Et du 5, du 6, du coup. Du 5, du 6, et j'ai la reroll des as. Alors, c'est dans celle qui était abîmée, on est d'accord ? Ouais, bien sûr. C'est bon, ça suffit. Elle a fait trois mortels déjà. Ça suffit. Oui, ça suffit. Alors, débarcationnement. À 3 pouces. On va essayer de se mettre le plus loin possible. Je te fais, en attendant, je te fais les 2d6 du lance-missile dans les artichauts là-bas. Ça fait 10 pruneaux. Aïe ! T'as utilisé ton strat, tu leur files plus 1 en couvert, en save, c'est ça ? Plus 1 en save. Est-ce que j'explose ? Je te fais le dé d'explosion, c'est jamais. Vas-y. Non, j'ai 5 mètres. Attends, je vais lancer mes dés quand même. Pour voir si j'ai des morts sur des as. Je n'ai pas de mort. Je fais les 10 pruneaux de missile. C'est parti. C'est parti sur du 3 reroll. Aïe. Sur du 3 reroll as, du coup. Ah non, c'est lequel qui tire. T'as apporté de 6 là. C'est lui, c'est toujours lui. Hein. C'est sur du 3. 3. C'est ça, c'est sur du 3. Et ça fait ça en save, ça fait 7. Le cratère, je sais plus, il donne plus un à save. Ouais, t'as un couvert. Il fallait faire du coup, il fallait faire une par une. Dans le cratère. Il est mort. Si je dis, tombez des doigts. Tombez des doigts, comme ça. Hein. Oh putain, je prends cher là par contre, hein, malgré le truc. Hein, j'en perds 4 de mieux. Je prends cher, donc je vais perdre 1, 2, 3, 4. Là, vraiment, là, j'ai pris cher, alors que c'était pas prévu au programme. Avant de faire plus de conneries, je vais utiliser évidemment le chapelain pour tirer sur les petits là. Lui il te touche sur du 3. D'accord. Et il te blesse sur du 3 et CP à moins 1. Ça sera sur du 4 pour le coup. Ouais, bah voilà. Ça n'a pas voulu save là. Par ce contre. Problème là. Est réglé. Pour un problème de plus en moins. Ok, ainsi soit-il. Le gros il va faire missile cyclone dans E. Et gros canon là-dedans. D'accord. C'est parti. Missile cyclone. 2 gros D6. Ça fait 5. C'est sur du 3. J'ai pas de reroll, je suis dans aucune aura. Et c'est sur du Re 3. Ça fait 1, 2 et 3. Attends, est-ce que je suis à 6 pouces du Talon Master ? Ah oui. Ouais, yes. Donc j'ai la reroll des As. Une demi-heure. C'est pas de PA, c'est sur du 4. J'ai pas envie de save là, tu vois. Ça en fait 3. Et après, évidemment, les gros pruneaux. Allez, sur du 4+, et là j'ai aucune reroll d'aucune sorte. Ah, joli quand même. C'est pas mal. C'est même très bien. C'est pas mal. Mmh. Quand on entraîne à pas mal, c'est 8, c'est pile poil stat. Ouais, mais c'est très bien. Mais c'est vrai que, c'est vrai que du coup c'est très bien. Et on est sur du 5, reroll des As. Il n'y a pas d'as, il y a 2 BM et 5 save. Sans ça peut suffire. Parce que sur du 3, vraiment je fais des save pourris, ça fait 2, 4, 6, 7, 8. Ouais.
Ouais. Allez, c'est parti. Donc, le Talon Master va envoyer ses gros 18 pruneaux là-dedans. En noir, les bolteurs lourds. En blanc, les canons d'assaut. Je vous rappelle que j'ai l'Arbiter Gaze, donc je te touche toujours sur du 2+. Et c'est parti. Attention, j'ai aucune reroll ni sur les touches ni sur les blesses. Il me faut un minimum d'as, s'il vous plaît. Écoute, chacun sa politique. Oh putain. Ah, ça y est. Le gars, allez, je parie sur 4 as. 18D, 4 as. 18D, 4 as. Il y en a un de trop sur les bolteurs lourds. Voilà, c'était ceux-là que je voulais pas avoir trop d'as. Et maintenant, on va dire que maximum, je veux qu'il ait pas plus que... Je les jette avant que tu dises de la merde. J'allais dire 4. Alors, il y en a combien? Il y a un bolteur lourd qui passe. Et deux normaux. Et il y a deux canons d'assaut qui passent. Il te reste 4 PV. 6. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Le bolteur lourd à moins 1, c'est parti, c'est lancé. Ça tanque. Voilà, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire. Et ça tanque pas. Ça fait 2 PV, il me restera donc 4 PV. Je fume, mais je vole. Tel un oiseau. Ouais, je suis tristesse, hein, je suis tristesse. Chacun son truc. Moi, je suis plutôt joyeusesse. Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, puisque nous allons arriver à l'excellente phase de charge. Ah oui. Et là, il va se passer des trucs. Déjà, je vais t'envoyer un chapelain dans la mouille. Ici. C'est parti. Oui, il veut. Voilà. Il veut. Il a l'air plutôt coriace, il a l'air plutôt content. Il veut. Il va mettre une papate sur le bordel. Tiens, il n'y a personne qui va se barrer d'ici. On va se battre. Ensuite, les motos d'assaut. C'est une petite charge, mais j'ai pas besoin de beaucoup plus si ça m'ira. Fort bien. J'ai mes lourdes motos d'assaut qui ont une charge à moins de 8. Ah. C'est donc une charge à 7. Pour réussir à te contacter. D'accord. Eh bien, c'est un jet naturel parce qu'il n'y a plus de CP, monsieur. Il n'y a plus de CP, mais t'inquiète. Bon. Voilà. Chatatataillé, pardon. Et mon Talon Master, monsieur, il a pas un petit mot-clé vol. Il va essayer d'aller arriver avec son épée. Rien du tout. 4 attaques, que nini, monsieur. Attends. Déjà, est-ce qu'il va charger, ce gars? Allez. Déjà, oui, déjà, il charge à 11. Il s'est chauffé. Déjà, je vais activer mon... Chapelain. Non, justement, pas mon chapelain. Je vais activer eux en premier. Parce que peux, si mon chaplain tue 4 mecs, tu peux me mettre dans le vent, ça va m'agacer. C'est parti pour les Outriders qui vont te toucher sur du 3+. Mesdames et messieurs, ça c'est un échec. On a du déchet quand même pour du 3+. Ouais, c'est pas foufou, j'avoue. Et là, on est... Hop. Oh, ben, oh, hé. Hey. Alors, celle-là, elle a sportif, là. Sportif, c'était sportif. Et on est sur du 3 à la blesse, mesdames et messieurs. C'est encore aussi moche. C'est dégueulasse. 19 attaques, 3 non, plus 3 plus. Là, je vais faire 4-6, donc j'aurai 5 morts. C'est des bérets verts. Oui, c'est vrai. On le respecte. Je te touche sur du 2, donc c'est le chaplain. Sur des bérets verts. Sur des bérets verts. Sur du 2, un as, c'est légit. La peur. Et sur du re 2, la maladresse, la maladresse. La maladresse, la peur. La maladresse. PA, le Crozus, il est PA moins 1, donc moins 2, puisqu'on est en doctrine de la bagarre. Ça fait sur du 6. Bon, là, ça sent le caca quand même. Hein. J'ai un mort. Il a buté un mec. Hein. Non, il a buté deux morts. Moi, j'ai deux morts. Et. Ah non, attends, pardon. Bien sûr, vas-y. Je vais pas faire le gogol. Je vous en prie. C'est ces deux-là que j'ai retiré. Okay. Comme ça, je pourrais me barrer. Ok. Et nonobstant le fait d'être content, ici ça a chargé, ça a tapé. Allez. Ici les motos d'assaut. c'est 10 points l'histoire. Ici c'est 10 points la blagounette. Hein. C'est 10 points la blagounette. Ici les motos d'assaut, je vais t'en mettre ici et celle-ci. Regarde-le comment il essaye de refermer autour de la vache qui rit. Bam. La Valkyrie, pardon. Bam, je suis un demi-pouce de lui. Mince. Tac, donc ça va faire, ça fait 9 lourdes attaques. Touche à 3, blesse à 3, PA moins 1. Je suis toujours un petit peu en dessous, c'est agaçant. Blesse à 3, j'ai une reroll des as parce que j'ai mon Talon Master. Voilà. Bon là, c'est PA moins... C'est PA que moins 1. Ouais, il meurt. Maintenant, je vais activer le Talon Master. Qui a que 3 attaques sur son profil, mais 4 parce qu'il a chargé. Je te touche sur du... L'As qui va bien. J'ai pas de moins 1 là pour toucher. Ah non, t'as pas de moins 1, mais tu vas être poli. Pas d'As. Deux As, c'est moche. Et tu blesses à 5, me semblerait-il. Je blesse à 5, je confirme. Je vais lancer mes... C'est PA moins 3, t'as une save à 6. Je suis poli, je te l'accorde, il me reste 3 points de vie. Je fume, je refume, mais je vis. Alléluia. Je pourrais pas l'avoir, ça c'était sûr. Je vais tout mettre sur lui. Oui. Le chapelain un peu trop burné quand même. Je vais faire les 5 en même temps.
Oui, d'accord. Deux unités en même temps, c'est sur du 4. Ils avaient pas envie de jouer. Okay. Et moi, du coup, mon gars, il est au corps à corps depuis 10 plombes. Il a deux attaques. Il va taper sur le fuseur. Sur du 3. Okay. Et sur du 3 à la blesse. Oui, perd moins 1. C'est fait. Allez. Débarrassé. Paf. Lui, il m'a bien agacé, cet homme-là. Bon. Bien. On a un petit problème, chef. On va pas faire de primaire. Globalement, ça m'amène à la fin de mon tour. Alors, tu vas avoir potentiellement un joli test de com sur eux. Ils ont quand même perdu 6 copains, si je dis pas de bêtises. Ils en ont perdu 6, mais là, c'est la vie. Oh, cassé. C'est beau. Ouais, c'est beau. Oh, là là, tu t'es gavé. Énorme. Donc, du coup, bah, ils tiennent au moral, impeccable. RAS, PLUS. Bon. À la fin de mon tour, j'ai 3 unités dans 3 quarts de table différents. Je mets donc 2 points sur les quarts de table. J'ai annulé complètement les primaires de Zig. Et au niveau du House of the Mammoth, j'ai tué un véhicule. On verra à la fin du tour s'il me fait perdre, s'il me fait partir au moral. Mais globalement, je crois que c'est plus possible. Donc normalement, je suis sûr de mettre mon point au moral. Je suis pas dans le centre de table, c'était volontaire, je l'ai quitté. Et après, à l'attrition, j'ai tué une unité, la Valkyrie, 2 unités, 3 unités. 3 unités. 1, 2, 3, 4 unités. 4 unités. Valkyrie, ce qui est débarqué, la Valkyrie. Donc je devrais mettre les... Ah oui, tu vas les prendre, large. Ouais. Moi, je vais juste faire de l'action à mon tour. On se retrouve donc à la fin de mon tour et je passe la main à Zig. Je reprends donc la main, c'est le début de mon tour 4. Donc de mon magnifique 0 CP, je passe à 1 CP qui va mettre, je pense, d'une utilité extrême. Comment, je ne sais pas encore. Ce tour-ci va se limiter à la gestion des actions. Essayer de faire en sorte que Tourop ne fasse que 5 au primaire. Il s'agira de son dernier tour. A contrario, je pense que je ferai 0 à monter 5, mais on verra ça plus tard. Mouvement. Fin de ma phase de mouvement. La Valkyrie a fait un mouvement pour sortir la table après une rotation de 90 degrés. J'ai utilisé un CP pour pouvoir débarquer à moins de 5 pouces de toute figurine ennemie dans son quart de table sans avoir à jeter de dés pour faire l'action les scrambler dans ma zone. Ce qui me fait terminer les 3 fois scrambler. Bien joué. Ensuite, ici, on a fait un mouvement de désengagement en montant dans le bâtiment pour ne plus être éligible à une charge de moto. Mon Tempestor Prime, il se met comme il peut, mais il me rapportera le quart de table. Et mon Psyker, qui est là-bas tout seul comme un grand, a une énorme cible dans le dos. Et aussi une énorme paire de couilles. Voilà. Parce que le mec est tout seul depuis tout à l'heure. Et il va faire son action psychique. Ouais. Ma phase de psy. Donc fin de ta phase de move. Fin de ma phase de move. Sachant que ça fait quand même 2 tours que Tourop me bassine avec un péril. C'est-à-dire que là, il a perdu 2 PV, quoi. Eh bien, regarde bien. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est simple comme un jeu de dés. Ouais, c'est vrai. Il fait donc pour la 3e fois son action, donc il aura une obligation à la gestion de ce personnage. Oui, mais il va mourir. T'as bien raison. Ceci va sonner la fin de mon tour. Ah oui, parce que ici action, on peut pas tirer. Ici, pas ligne de vue, désengagé. Et action là-bas, on ne fait rien de plus. Ça me fait donc 3 points de quart de table. Oui. Je monte les scrambers à 10. Oui. Et un troisième Et moi, de mon côté, du coup, ça me permet de mettre l'attrition et le point de non-test de morale sur le Half of the Moment. Ouais. Et ça m'amène directement au début du tour 5. Début du tour 5, les amis, je vais marquer 15 points de primaire, enfin! Ce qui va caper mon primaire à 20 points, ceci étant. Hein. J'en ai pas mis beaucoup de la partie. Mais comme je tiens 1, 2 et 3 objectifs, j'ai réussi à mettre mes 15 points. J'ai 0 point de com, j'en récupère 1. Et mon chaplain va passer plus 1 à la blesse au tir sur eux, sur du 2+, ça passe. Et il va leur passer aussi un plus 1 à la blesse. Au cœur à cœur, évidemment, évidemment. Tout ça pour un psyker. Tout ça pour un psyker. Un autre ami qui est ici va passer la full reroll des touches sur le dread qui est ici. C'est parti pour ma phase de mouvement. Là, on ne laisse aucune chance à Zig de faire ses trucs de merde sur la table de jeu, quoi. C'est parti. Bien, on arrive à la fin de ma phase de mouvement du tour 5. Donc là, l'optique, bah, ça va être de saigner à blanc cette Astra Militarum qui nous a mis à mal pendant 5 tours. C'était difficile. C'est Space Marines. Donc au bout d'un moment, ça se pose là. Alors, ce que j'ai fait, donc globalement, je suis allé contrôler cet objectif-là avec ce châssis. Ici, on s'est mis au centre de table. Le chaplain va venir défier
le mec avec sa casquette là, qui s'est pris pour un banlieusard de la street. On va lui rappeler un peu certains fondamentaux de la vie. Ici, on va s'occuper de lui, mais de toute façon, il va prendre 2 tirs de cyclone et 16 tirs de vulkite. Donc globalement, il a peu de chances de vivre. Ici, on a les fuseurs. On va mettre les fuseurs. Il y a un autre Dreadnought qui va pouvoir infuser tout ça. Donc globalement, je pense qu'à la fin de ce tour, restera pas grand chose. Voyons voir ce qui va se passer. On va commencer déjà à tirer et déjà on va se fader cette unité là avec les multifuseurs. Donc déjà il y a 3 tirs de fuseurs qui touchent à 3, reroll des as parce que il y a notre ami comment il s'appelle, Azrael, qui est dans les coins. Et après je te blesse sur du 2, c'est des morts. 5 morts. Ça fait 5 morts. Et après il y a 12 tirs de bolters. Ok. C'est parti, sur du 3, reroll des as, j'en ai un. Le G, il est beau, il est chaud. Et sur du 3, là c'est 100 PA, tu as 1, 2, 3. Il est moche ce G par contre, t'as 4 save. Allez, c'est parti pour 4. C'est 100 PA, c'est sur du 4. Ouh, ça c'est joli, j'en perds que 2, il m'en restera 3. Eh oui, 3 qui vont immédiatement prendre... je sais pas ce qu'ils vont prendre, mais ils vont le prendre. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. On veut voir... On veut voir la mort de ce Psyker qui a le potentiel de te ramener 7 points. Non. Donc il va prendre, déjà il va prendre 16 tirs de Vulkit. Ça va lui détendre. Il vaut 16 points. J'ai un CP. Je vais lui mettre un plus 1 à la sauvegarde d'armure. T'as bien raison. T'as bien raison de dépenser tes PC pour rien comme ça. Je n'ai point le choix. De toute façon, je n'ai plus rien à sauver. C'est 16 tirs. 16 tirs, c'est parti. Je te touche sur du 3. Ah oui, là quand même, ça fait mal. Et ensuite, je te blesse sur du 2. Et c'est la BM sur du 6. Ouais. Ouais, il reste combien de PV? 2. 2. Allez, 2, 6 dans le lot. Allez, il y en a 2. Ouais, tout pile. Hein. Ouais, après, il y avait de la sauvegarde quand même. Oui, mais il était un peu... je sais pas, je le sens. Mais il était solide, en plus, c'est une figurine en plomb, tout s'explique. tout s'explique. Je le sentais bien. Hein. Je comprends. Ces décors-là n'étaient pas du tout comme ça au début. Non. C'est pas grave. Au fur et à mesure, la table a bougé, de toute façon, c'est... complètement normal. Ok, du coup, nos amis qui sont là, lui, le canon d'assaut n'aura pas de portée, mais il va te faire ses 3 tirs de bolter lourd dans les 4 mecs dans leur pigeonnier. Ça marche. Je te touche à 2, je te blesse à 3. Oui. Eh ben écoute, ignore les covers nativement avec sa relique. À 5. Ouais. Il m'en restera 2. 1. Attends, 1 seul. C'est dur d'avoir du monde sur la table au thé. Hein. Et ensuite, on va faire les tirs de bolter ici. 1, 2, 3. Ça devrait être suffisant. Ça fait 12 tirs. Là, t'as une save. T'as une save là. Je te touche sur du 3. Je te blesse sur du 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sauvegardes. Allez, c'est facile. C'est du 3. Il est. Ouh, il est mort. Et pour finir, on va prendre le chaplain. Il va commencer par te balancer une petite salve. Il te touche sur du 3. Il te blesse sur du 3. CPA, moins 1. Sur de la 5. Un PV perdu. Il me restera un point de vie parce que j'en avais perdu 2. Ok. Ça se réglera à la charge. Et notre ami qui est ici va mettre ses Vulkit et son lance-missile cyclone. Écoute, on va faire les Vulkit en premier. Je pense qu'on est sur du 3. Et qu'on est sur du 2. Allez, 3, 6, on n'en parle plus. Voilà, exactement. C'est fait. J'en ai 1, j'en ai 2 et j'en ai 3. Allez, zou, pow. C'est meurt. Et enfin, phase de charge. J'ai envie de t'envoyer un gros chaplain dans les gencives. Allez, je prends. Ça passe. Paf. Il va t'envoyer ses 5 lourdes attaques. Allez. Qui vont toucher sur du 2, qui vont blesser... Sur du 2 encore, force 6, sur du 2. Allez, ça m'en fait 5. C'est que PA moins 2. C'est sur une 5 plus 1 vue. C'est flat 2 par contre. Ok, 5 plus 1 vue, il meurt. Eh ben, je suis lavé. Alors globalement, ça m'amène à la fin de mon tour. Je vais marquer 4 points du House of the Moment. Je leur ai mis les 15 points dessus. Je vais mettre le brouillard qu'à 2 points parce que... Je vais mettre les quarts de table à 2 points. Et je vais remettre l'attrition à 3 points. Et globalement, l'Astra Militarum a encore une lourde action à faire. Attention.
Je n'ai pas besoin de regagner mon PC parce que chez nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Fin de mon tour de jeu. C'est beau. Merci pour la partie. Super partie. On se retrouve pour l'annonce du score et le débrief final. Ça se passe maintenant. Et ça se passe que sur Creative Wargame. On se retrouve à la fin de cette partie. D'ores et déjà, merci à toi Zig. C'était une partie vraiment super cool. Je te remercie, j'ai passé un excellent moment. Ouais, bah c'était partagé. Dark Angel Astra Militarum, et bah écoutez, la partie, franchement, on l'a vu, elle est quand même serrée. Ouais, le chaos a gagné. Le chaos a gagné, le chaos règne. Ouais, les Dark Angel ont posé leur marque. Ah, oui. Fin de la partie, 62 pour l'Adeptus Astartes, à 44 pour l'Imperium. Mais côté Astra Militarum. Oui, côté... Ouais. Mais qui n'ont pas été modifiés au niveau des gènes. Non, c'est ça. Non, c'est pas... Ils n'ont pas été changés, ils ont essayé de faire dans le naturel. Ouais. Ils ont fait des Astra Rolas. C'est arrivé une fois. Mais ça te permet de rentrer dans le la famille. Cercle. Ça, voilà, ça te permet tu rentres dans le cercle, effectivement. Dans le cercle. Et puis, moi, je crois que je n'en ai pas fait, d'ailleurs. Non, mais ça bon... S'est pas vu. Non, ça ne s'est pas vu. J'en ai pas vu, je n'en ai pas fait. Tu as été très stat. Moi, je pense que tu as bien lissé tes jets de dés. Du beau dés, ouais, bien lustré. C'était chouette. C'était... Il n'y avait pas de sur de dés. Non, il n'y a pas eu de truc improbable, effectivement. Voilà, à part, si, une charge à 12, de ma part. Ouais, il y a eu... Qui permet de couper du primaire. Ouais, effectivement. Là, ça permet de couper du primaire. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne game. Oui, carrément. Voilà. La partie était très cool. Il y a eu vraiment... et c'était aussi ce qui était recherché dans cette partie, c'était de proposer des armées qui sont un petit peu moins, on va dire, tank et plot, et d'avoir des trucs qui bougent dans tous les sens. Et, voilà, qui On s'est échangé tout au long de la game. T'es venu chez moi, je suis venu chez toi, t'as été obligé de back. On a échangé nos primaires. Non. Je capitalise sur mon T1 de te manger et de mettre du primaire et de tanker sur ton T2 au corps à corps. Ça me permet de capitaliser et de ne pas prendre une bulle. Donc, un bon jeu de mouvement, un bon jeu d'échange. Ouais, très très belle partie. Non, franchement, c'était super plaisant. Moi, côté DA, c'était la première fois que je testais la Raven Wing. Alors, il y avait un petit peu de pas Raven Wing avec notamment les. C'est la première fois que j'ai joué les Dreadnought, les Volkits. Je les ai trouvés. Les Dreadnought Contemptor Relic. Full Vulkit, très très efficace. Là, je me rappelle qu'en fait, j'ai fait des petites. Il y a forcément toujours dans tous les rapports de taille des petites erreurs de règles, notamment le fait que le Dark Angel, quand il bouge pas, il a le plus un hit. C'est vrai qu'il y a eu quelques phases de corps à corps où on est resté engagé et ça, j'ai oublié de le faire. Donc, vous l'avez sans doute noté dans la partie, mais c'était anecdotique puisque toute la partie, on a fait que bouger en vérité. Ah bah, oui. Donc voilà. Mais très, très cool ces Dreadnought en full Vulkilt, ils font vraiment vraiment bien le café. Ils font le café, ouais. Ouais. Bon, les motos d'assaut en multifuseur, c'est des motos d'assaut multifuseur. Ça fait un talon de master à côté pour une reroll des as à la blesse, ouais. Ça mange pas de pain. Ça fait mal. Ça fait mal. Après, j'ai bien aimé le côté unités moto qui sont pas hyper létales, hein, les motos Space Marines ou même les Outriders, on l'a vu, ça fait pas. T'as vu, même les Outriders ne sortaient pas stablement 10 gardes. Non, donc, mais c'était... je pense que là, c'était une malchance de ta part. Ouais, mais voilà, c'est. 3+, 3+, dès que t'as pas trop de fiabilisation, et comme la liste est très mobile, du coup t'as vite fait de sortir de tes auras de personnages, de tes auras de buff, etc. Le seul talent master qui est parti tout seul. Ouais, il a fait une envolée sauvage. Le mec s'est dit, je vais régler 2-3 comptes là-bas de l'autre côté de la map. Et après, si on pense à toi, talent master, on est plus là, quoi. Et donc, très bonne partie, en tout cas. J'ai beaucoup aimé, ça m'a vraiment fait plaisir que tu acceptes que je joue cette liste, parce que c'est un concept liste que j'aime beaucoup, avec ces Valkyries, ça va un peu partout. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas, c'est pas forcément super opti, mais je trouve que c'est un jeu qui est très agréable à faire. Ouais, je suis assez d'accord. De bouger dans tous les sens, on peut faire du deny, sortir, et c'est plutôt sympa. Je dirais que c'est une liste qui est très T1 dépendant contre beaucoup d'armées. C'est vrai que si j'avais eu un T1, ça aurait donné une autre physionomie à la game. Ça aurait été intéressant de le voir aussi. Voilà, j'étais uniquement en réponse sur ton primaire. Ouais. Ce qui a permis de jouer ce jeu-là. Mais c'était très intéressant, je suis assez content. Et il y a autre chose là que pour le coup les viewers ne voient pas, c'est ce qui a été très, très intéressant à voir, c'est que tu as eu des grosses phases de réflexion, notamment sur des phases de mouvement. Du T1 au. Bon, pas trop au T4, T5, mais vraiment les 3 tours, tu as eu des phases hyper intéressantes de te proposer en fait toutes les options que tu allais pouvoir faire. Je pourrais faire ça, comment je vais faire ça, etc. etc. Et il y a eu vraiment une vraie réflexion de jeu et de profondeur de ta part. Et ça a
payer parce que mine de rien, faut mettre quand même les choses à leur place. Le Dark Angel et le Codex Space Marine, c'est quand même un très bon codex. L'Astra Militarum, en plus, tel que tu proposes, c'est pas des unités qui sont forcément les meilleures unités du codex. C'est pas létal. Voilà. Donc, avec une vraie réflexion de fond, même si la victoire est à haute Dark Angel, la partie a quand même été serrée et hyper intéressante. Donc, bravo à toi. Très belle partie de ta part. Merci. Franchement, c'était très cool. Excellent moment. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toi-même, tu sais, tu mets ton pouce bleu, tu te poses pas trop de questions. En toute humilité, évidemment. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, Discord. Vous avez tous les liens sous la vidéo. Pour les tapis, vous avez les codes promo, les liens pour Crank War Game. Pour les décors, vous avez les liens, les codes promo pour My Scenari tout autant. Vous avez le site Creative War Game. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que vous allez voir dans la description. C'est absolument génial. En tout état de cause, j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis ciao les seigneurs de guerre. Salut les seigneurs de guerre.